Bon, on est parti, on joue en 2 minutes 30. J'avais appris... J'ai pas tous les... Je vous laisse parler dans le chat, hein. Vous pouvez vivre, vous. Vous avez le droit. J'avais commencé à apprendre les départements. J'ai pas poussé là-dedans. Ville de... C'est quoi, c'est Narbonne? C'est pas du tout Narbonne, hein. Bon, j'ai déjà perdu du temps un peu bêtement. Alors... cimetière, nice, c'est énorme ça. Ça, c'est honnêtement énorme. Bon, alors, petite game de chauffe, bien sûr. Taper, il serait le Voltaire. Eh, c'est pas mal quand même le Light Tracker. Hein. Petit volet bleu. Oula. Petit... Ah, je crois qu'il y avait un chien. Pourquoi je peux pas avancer? Ah, ça buguait. Qu'est-ce qu'on va faire là? C'est quoi ça? Liberté, égalité, fraternité. Mais ça, c'est un hôtel de ville, ça. Ça, c'est un hôtel de ville. Hôtel de ville, c'est la mairie. Hein. Si jamais il y a des gens qui ne le sauraient pas. Ça arrive, ici on n'est pas là pour juger. Oui, donne-moi. Lillebonne, c'est quoi Lillebonne? Lillebonne, ça fait un peu mais ça fait un peu genre on est dans le nord là, non? Brocante. 02, on n'est pas dans le nord. On peut quand même être un peu dans le nord. Ok, on est à Lillebonne. Bon, maintenant on se casse de Lillebonne pour avoir d'autres choses. Ok, go. Mais toute direction, c'est par là, en fait, putain. J'aurais dû suivre toute direction directe. Parce que qui te dit toute direction, dit tu vas être emmené quelque part. Oh, putain, par contre, c'est infernal. Le truc bouge à chaque fois. Ok, Lillebonne. Putain, c'est marrant, Lillebonne, comme blaze. Enfin, marrant, je sais pas si on est vraiment sur une énorme barre, mais... la A29. C'est où, la A29? A28. A31. Ça doit être là-haut, non? À 16, à 29, ouais, je voyais bien ça dans le coin. D173. Attendez, parce que j'ai paniqué là. J'ai fait de la merde. J'ai fait full merde. Parce qu'en fait, je vois aussi, j'ai réglé le truc pour que je vois, et en fait, mes yeux me perdent. La 29, elle s'arrête là. D173, je vais la mettre au milieu du coup. Oh, mes yeux me perdent, putain. Quoi? Mais quelle douille énorme! Bon, on va rejouer. On va rejouer, tout va bien. A29? Mais comme... Ah, la A29, elle est là. Oh, Bolbec. Oh là, 29, elle continuait. Non, il faut juste que je m'habitue. Tout va bien. Il s'avère que Skyheart est en train de prendre du terrain sur moi. Je dois vous le dire. Il est toujours aussi nul. Attention à ne pas prendre trop la confiance, hein, bien sûr. On préfère bien sûr prévenir, voilà, directement de ce genre de messages qui vont être directement contrés efficacement. Boum. Le point vital qui a été touché. Et ça... Bon, c'était la game de chauffe. Vous avez compris un peu Light Tracker maintenant. Est-ce que vous avez encore des questions avec Light Tracker ou c'est bon? Vous me dites, hein. Là, c'était juste histoire de vous habituer. Là, ça risque d'aller un peu plus vite. Donc, prenez le temps. On va tous boire un petit peu d'eau. Imagine un FPS avec Light Tracker comme viseur. Ça peut être lourd. À quoi sert Light Tracker? Bon, vous voyez, parce que de temps en temps, vous me dites, ah putain, t'as pas regardé là. Au moins, vous saurez si j'ai regardé là ou pas, quoi. Comme ça, tu le vois, toi, du coup, Light Tracker? Ouais, c'est un peu perturbant. Parce que du coup, je suis en mode, oh tiens, un cercle. Mais j'ai pas d'excuse. Ok, let's go, on est parti, là, je suis un monstre, là, putain. Là, c'est énorme ce qui est en train de se passer, c'est vrai que c'est assez ouf. Putain. Ah, vache. Eh ben. Direction Rouen, boum. Il fallait pas m'en dire plus. On est encore dans ce bled, hein. C'est pas trop où on est, mais on est dans le coin, là. Hein. Ça va être du... Ouais, là, je les reconnais bien là, hein. Direction Rouen, genre on est quoi? On est D38, tu vois, une petite D38. Moi, je les connais, les D38, généralement. Mais c'était pas une autoroute par laquelle on passait. Non, Psoval, Conti. J'ai pas vu un Conti, là. Non, c'est Canteleu. Canteleu, Préau, Cléon, Elbeuf, Ruménil, Amiens. 19 bornes d'Amiens. Putain, on est à 19 bornes d'Amiens. Oh putain, on est par... Moi, je mettrais là, tu vois. Amiens, D169. La D169. Ah bon? Ah ouais. D138. D919. D169. C'est où, c'est la D169?
Je choke là, parce que je dois être plus loin. Là, tu vois, j'ai pas besoin de faire ça. Là, moi, je propose qu'on prenne le temps. Boum, D169. Je suis la D169. Allez. Nantes, Champ-Ménil. D169. En fait, c'est quoi l'échelle, là? D169, et on va... Ok, on va à l'est. Donc, on va à l'est. Donc, on peut savoir, on est genre... plus haut. Tu vois, genre du Bougainville. Ouais, 19 bornes, attends. 19 bornes, c'est... Là, non, Ménil. Putain, ça y est, je suis parti. Je suis meilleur que Skyrim. Putain, je suis meilleur que Skyrim, je le savais. Je le savais, je laisserais personne me dire le contraire. Putain, je te mange, Skyrim, je te mange. Ouh. Allez, pas de pression, pas de pression. Tout va bien, père. On va le faire ensemble, c'est énorme. On est ensemble. Des 38, je suis là, je passe juste au-dessus. En fait, je viens de pop ici, c'est juste énorme. Clac, et ça c'est quoi? C'est D38E, D38E, c'est ça. Du coup, en fait, je passe au-dessus de quoi? C'est une voie ferrée sur laquelle je suis. Clac, 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 boum. Alors, Skyheart! Putain, putain! Putain, c'est pour moi, c'est Dylan. C'est pour moi, bordel. C'est pour moi, on va la chercher, bordel. C'est 5000 pounds. C'est 5000 pounds! On a eu un moment de panique, on a eu un petit moment de panique, voilà, normal, 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 forcément, on connaît pas bien, on l'entend plus. Putain, en ce moment, tu dis tout le temps, on est ensemble. Ouais, je sais pas pourquoi, ça m'amuse. On commence très fort. Non, mais c'était juste un tour de chauffe, hein. Qui est dans cette team, dans ta team, Zilan? C'est la team Pax. Qui dit team Pax? Dit Xav. Qui dit Xav et PA, dit Gigi. On s'est dit que ça allait être marrant avec le ref, avec Jijou. On allait forcément passer des bons moments. Training vendredi d'ailleurs, Trackmania. Va pas falloir rigoler là. On est ensemble. Bon, allez, on est reparti là. Je me suis fait mal au bras à me taper sur le bras. Déjà que je me... Mais ton frère, c'est vrai que j'ai vraiment une balafre là. Là, c'est pas possible ça. Ok. Ok, ok. Ça, c'est une route assez classique de départemental. On a l'air d'être... d'être sur quelque chose... oui, la Saint-Sylvestre, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, pour vous le dire. Là, ça m'étonnerait pas qu'on soit plutôt sur une ambiance un peu boss, un peu, voilà, boss, quoi. Le moulin de Despréaux, ouais, c'est boss. Hein. Oh là là, ça, c'est un panneau bleu comme ça, c'est... non. Ah, j'ai eu peur. A28. D819. Déjà, c'est où, la 28? C'est là, la 28. Alors, F fait quoi, la 28? La 28, elle commence là? Ah non, la 28... ça, c'est des routes qui nous emmerdent. Hein. Voilà, c'est à 22 km et on va au nord. Ça, c'est des routes qui clairement nous emmerdent. J'aurais dû, attendre, prendre au moins les panneaux là. Parce qu'en fait... Oh, là, j'avais un autre truc. Ménil-Rousset. L'Aigle. Duhamel. La Ferté-Fresnel. L'Aigle. Putain, le feu, il y a une ville qui s'appelle L'Aigle. D819. Fesque? Y'a pas Fesque là quelque part? Bosque-Ménil, on était pas dans le coin là? Genre l'Aigle. Je panique un peu. C'est marrant ça quand même de s'appeler l'Aigle. Abbeville. Attends, mais je fais n'impe en fait là. En fait, je me suis chauffé où je pensais du coup que j'allais avoir toute l'information et je l'ai pas eu. Bon, attendez, je vais le faire. Celui-là, je vais y aller un peu au pif. Alors, 1,28 c'est tout ça. 1,28 c'est jusqu'ici. Ça descend encore ou pas? Oh, elle descend encore. Oh, elle descend si bas. Oh, putain, c'est fou! L'Aigle. L'Aigle. PA, La Ferté en Ouche, Ménil-Rousset. Je suis un peu déçu, je suis si... Ouais, j'ai ce qu'on appelle le last click. The last click. The choke. 4 km.
En full chat, vous me dites le choke? Non mais attendez, c'est un clutch. On n'est pas ensemble là-dessus? Mais les gars, on est ensemble plus que jamais là-dessus, là. Attends, je te mets un last click en Ménil Rousset qui a 4 bornes. Ah non, 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 là, on est ensemble. Là, on est ensemble. Putain, l'aigle, quoi, c'est fou. Il y a un Leclerc à l'aigle. Il y a un centre hospitalier, il y a un McDo, il y a un aérodrome. Putain, c'est propre, hein. En esprit. Non, non, mais c'est vrai que là, on est beaucoup dans cette région. Hein. C'est quoi, ça? C'est la Mayenne? Non, c'est l'Eure. Et l'Orne. C'est vrai que l'Orne, c'est un truc où on connaît pas trop l'Orne. Hein. C'est pas ce qui s'y passe dans l'Orne. Il y a de la forêt, il y a le Perche, quoi. T'aurais dû trouver la ville. Bah ouais, oui, c'est vrai que c'est le but du jeu, quoi. Concrètement, non mais la 28, le bordel, il fait quand même ça, il fait la moitié de la France, quoi, le truc. Hein. Le 61 Alençon. Ouais. Vous êtes bon. C'est un peu Tristoun et l'aigle. Ça a l'air. Hein. Peut-être une petite... le Leclerc de l'aigle, non? Allez, vas-y, on donne sa chance. Aérodrome, l'aigle. Pourquoi pas? Vas-y, on lui donne sa chance. Eh ben, on regrette pas. Non, là, honnêtement... Oh, c'est mignon comme tout. Oh, c'est mignon. Le Leclerc, peut-être. Peut-être que le Leclerc... Oh oui, oui, oui. Le bricot? Oh là là, putain. Esprit d'homme. On a pas spécialement envie d'y aller, c'est vrai, quand même. Hein. Genre, on se fout au McDo. Ils ont dû investir dans le coin. Ouais, c'est vrai que c'est très comme ça. Oh, pichot, les vélos pichot. Hein, c'est vrai que c'est pas un petit McDo, quoi. Il y a quand même un terrain de jeu. Il y a quand même un terrain de jeu. Ça, c'est propre, ça. C'est déjà niveau 2, hein. Terrain de jeu au McDo, t'es déjà une ville qui a quelque chose, quoi. C'est à côté de Camembert. Ah, ah bon? J'imagine plus ça là-haut, non? Non? Il y a un Center Park? Ah ouais. Putain. Ville tiers 2. Ouais, ouais, non mais... Non, pourquoi pas. On est reparti. On est... Oh non, non, mais ça déjà, ça c'est du clic qui... Ça c'est déjà 4 secondes de perdu. Ok, là j'ai une impression Sud de France. J'ai une impression Sud de France, mais après, voilà, je vous le donne les trucs bleus. Le bleu ciel, je sais pas pourquoi, c'est Sud de France, bord de mer, tu vois. Il y a la mer au bout. Il y a la mer au bout. C'est la mer là-bas. Ah, c'est une rue. Pourquoi je regarde les rues, on s'en bat les couilles. Impression Sud de France de fou, là. Enfin, genre bord de mer. Alors, on est au bord de mer. Au bord de quelle mer? Et c'est pas le mec qu'on a déjà vu passer, là, le cycliste? Il s'est fait une course? Place machin, non mais dis-nous juste où on est. Marché central, Guibino. Rock musculation. On n'est pas au bord de mer. Marché central, au marché, on va avoir des infos, non? Oh, bordel, putain. Non, mais si, là, on est à... On est où, là? C'est quoi? C'est quoi? C'est des lotissements sans... C'est que du résidentiel. Là, 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 là. Un numéro de téléphone. Il est où? Il est là-bas. 05. Eh... Hey. 2, 3, 4, 5. Galerie du marché. Mais là, je sens que j'ai pas des clics décisifs. Je me sens pas décisif du tout, là. Carrelage côte de beauté. Pff, moi, je te dis, là, je nous sens sur un truc comme ça, là. Si, si, ça sent l'océan, là. Donne-moi l'océan. Putain, ils veulent pas me donner l'océan. Optimo 17. On est où, bordel? Ils rendent fou à pas mettre des panneaux. Leclerc. C'est le Leclerc d'où, là? Putain. On est niqué. C'est le pire score, là. Royan. Eh, je... No joke. Non, mais attends. La mer, je la sens là. Je pense qu'on est ici. Leclerc. Non, on n'a pas le Leclerc. Je pense qu'on était à peu près là. Ici, peut-être. Truc dans le genre. Ok, on était vraiment au bord de mer. Je sentais la mer. Je sens la mer. Je la hume, la mer.
Je le sais, c'est le Christo de sel, ça, direct. Elle était au bout, hein. Elle était au bout. T'as une fixette sur les Leclerc. Mais en fait, ils peuvent te donner les villes, les Leclerc en bas. Oh, j'avais le marché central, je suis con. Le marché central, ici, je l'ai pas vu. Ah bah du coup, vous m'avez vu ne pas le voir ou pas? Parce que bah du coup, je l'avais pas. Ah mais du coup, c'était de l'autre côté. Je pensais qu'on était plus loin, alors que non. Je me suis dit, c'est peut-être un peu le truc résidentiel, tu vois, mais... C'est vrai que quand tu regardes, c'était soit là, mais ça pouvait pas être là, il y avait pas assez de route, quoi. T'avais pas assez zoomé. Les panneaux de rue peuvent donner la ville aussi. Ouais, c'est ce que je fais, mais bon. T'es passé dessus, mais style GG. Bon, pas mal. Pas mal, pas mal. Enfin, 4931. Toujours pas ensemble. Ah bon? Oh, quand même. Bon, on fait du poun, ça. Nous, on veut régu 23 000. Oh là là, eh, me faites pas... Il m'offre un Leclerc? Non, c'est un Cora. Direction de Saint-Malo, sortie Saint-Jouan. Mais ce... Il y a un mec qui pisse, là? Il pisse? Il est en train de pisser? De pisser? C'est quoi les RN, route nationale? Direction Saint-Malo. Saint-Malo. Sortie Saint-Jouan, déguerré. Non, c'est une route nationale, c'est une départementale. Ouais, du coup, je pense que là, on est là, donc on est à l'ouest. Bah, du coup, on quitte. Il y avait la ville, là. On quitte à Tronxin, là. On quitte quoi, là? En train. C'est la D137. C'est où, en train? Dinard, Saint-Malo. Dinard. Elle est dans le coin, là. Allez. Fais pas la timide en train... Ah, mais il y a marqué D313 et je check même pas. Ah non, mais on est sur la D313 et... Tu vois, ça, typiquement, là, je perds du temps, mais fou. Ah non, il était en train de tailler une haie. J'ai très mal parlé de lui pour rien. Bon, Bazouge, là. On est où, nous? Ah non, c'est Dinan, pas Dinard. Peut-être après, attends, parce que là, je perds du temps, mais encore, fou. Hein. Bon. Allez, fini les conneries, là. 50 secondes. Après, je vous mets un peu de pression, tu vois, histoire de Fougère, Laval. Ah bah là, c'est autre chose, hein. On est plus sur Saint-Malo, là. Hein. D155. Fougère, c'est là. Ah, c'est là, du coup, la D155. Parfait. Tremblay, on est à 5 km. Fougère. Frère, j'avais genre vraiment le 5000 points et je fais full merde. La Boussac, Bazouge. Je sais pas. Pas vous mytho, juste je sais pas là. Je suis un chien. J'arrive pas. Mais c'était pas marqué. Oh, je suis un kleps. Non, mais là, je suis un kleps. Là, honnêtement, je suis un gros kleps. Là, c'était de la merde, ça. Non, c'était de la merde. Parce qu'en fait, là, c'est Quénon. Et en fait, c'est en train. Oh non. Ah non, là, j'étais pas dedans, là. Zoom plus, des fois. Non, non, mais j'avoue que... Tu restes numéro 1 FR. Bah, là, je suis challenge, là. Là, je pense qu'il y a du challenge. Ah non, non, là, c'était un peu nul, là. En fait, je me suis concentré que sur en train et j'ai cherché que en train. T'avais vu Fougère en plus. Ouais, ouais, non, mais j'avais vu Fougère, mais du coup, on était sur la route justement entre Saint-Malo et. Donc, on était bon, mais je sais pas, juste. Non, mais il y avait d'autres villes en plus et il y avait Bazouge ici. Oh non, là, j'ai hint. Là, j'ai hint. Si je claque pas un hein, 4000. Allez, c'est 5000 tout pile là. C'est 5000 tout pile où je refais un run. 5000 tout pile, on a besoin. On a besoin, je vois des vignes. Je vois des vignes, ça me fait penser. Ça, on s'en fout, c'est propriété privée. Je vois des vignes et je vois de la montagne. On est dans le Var. On est genre là. Là, c'est 5000 points où je refais un run. Ça serait insane de refaire un run. Non, il va quand même pas le faire, putain. Arrêtez, ne dites pas que... Putain. De la pression un peu, le mec a deux doigts de peut-être refaire un run.
du numéro de tel. Et yeah, c'est énorme. Résidence, Val de quelque chose, on s'en fout. Là. Balsac. Marcillac. Marcillac, Castagne, Castagne. On est peut-être pas... Domaine du Cross. Frère, je suis déjà venu ici. Je suis déjà venu ici. Il y a du hack, hein. Il y a du hack à tout va, là. Hein. Marcillac, ça me dit quelque chose, hein. Ok, faut que j'arrête de camper sur mes positions, en fait. Balsac, c'est le plus loin. Je sais pas pourquoi, là, j'avoue que je mets du temps à... Marcillac, c'est 10 km, D57. Goutrans. Marcillac. Ok, je vais suivre Marcillac. Ça me dit un truc, ici. Le truc, c'est que là, je mets du temps, du coup... Ah, mais non, c'est ça qui me disait un truc, c'est Marcillac. C'est pas bon, hein. Ah, je vais pas vous mentir. Et c'est pas justement un peu une douille où c'est au milieu de tout, là. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Attends, juste que je respire un peu, là. Il y a de la montagne. Figeac. C'est pas loin de Figeac. C'était pas si loin de Figeac, hein. C'était pas si loin de Figeac, c'était accès de Rodez. Putain, à chier, là. À chier, là. Faut sortir de la ville pour avoir les grands axes. Là, le truc, c'est que... À Clairvaux d'Aveyron... Faut que tu cherches une grande route plus vite. Ouais, ouais, non, mais là, j'avoue que j'ai été mou. Hein. Je me rappelle t'avoir déjà vu à Marcillac. Ouais, ça t'a dit un truc, non? Ouais, j'ai vu, Roro, merci. Non, bah, on fait combien, là? 22 000. Bon, 22... Non, on a dit que c'est 23 000, maintenant. Vas-y. Je dois refaire un run. Je repars sur un run. Je repars sur un run, il y a un moment où c'est parti en fait. C'est parti là, on a été décevant. Attends. Attends, les gars, ça me dit grave un truc ça. Putain, j'ai l'impression genre qu'on est pas loin de Rouen. Peut-être. On est peut-être à... Ça, je le trouve plus. Attends. Je sais pas, en fait... Là, le truc, c'est que, en fait, les arbres et vraiment les maisons comme ça, légèrement rouges avec les toits, le fait de l'inclinaison de la route. Je sais pas, j'ai un feeling par là, là. Putain, je sais pas. Après, je me trompe sûrement, hein, mais là, vraiment, je... Enfin, j'ai pas mal bossé la géo. Je sais pas si Skyart... Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, non, c'est ça. Mais c'est vraiment, c'est les arbres. C'est les arbres. C'est les arbres. C'est les arbres et ouais, c'est 5000 points en fait. Donc c'est juste énorme quoi. C'est juste. C'est stratosphérique. Voilà, en fait. Bah, des joueurs comme moi, vous pouvez en rencontrer quoi? Peut-être, allez, une fois dans vos vies, deux fois vraiment, si peut-être vous repassez sur un de mes lives. Mais sinon, non, c'est unique. Hein. C'est juste unique. C'est beau. C'est. C'est le feu, les gens qui sont arrivés entre temps. Vraiment, je pense que je suis un héros à leurs yeux. C'est vraiment... Non, c'est le trou en un. Là, la naïveté est présente. Laisse, il faut. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est normal pour toi. Non, après, frérot, c'est normal. Hein. Je sais pas si tu joues un peu à GeoGuessr. Après, ça vient de temps en temps. Tu sais, c'est... Là, je parlais justement des toits et tout, mais c'est les arbres. Les arbres vont te parler, en fait, si t'arrives à suffisamment zoomer dessus. Pas tous, après, pas tous. Hein. Typiquement, eux me parlent pas trop. Par contre, ici, tu vois, là, vraiment, les petits champs comme ça, ça, c'est vraiment, c'est clairement du Nambs que Vauvilliers, quoi. C'est tout court, c'est... Pff, ça vient à toi. Ça vient à toi, c'est 5000 points. C'est du 5000. On est reparti. On est reparti, let's go. Là, c'est 25 000 points, là. Ok. C'est fini. Oh putain, ça merde aussi. Hein. Abbeville. Les villes, c'est... Là, pourquoi je me fais chier? Vas-y, hop, on cavale. Hop, on cavale, on va chercher, là.
On va chercher parce qu'en fait je me fais trop chier à attendre que... Juste à chaque fois j'ai trop de mal à me remettre dans la dynamique. Voilà, on va juste se prendre une grande route qui va nous donner une information. Qui était peut-être un petit numéro de tel, tu vois, par exemple. Super, c'est un 06. Putain, on voit pas le numéro de tel. L'orange bleu. La Mélière. Commune Ariège. Est-ce que l'Ariège, ces gens-là, Ariégeois, Rougemontier, Luznac, l'Ariège, c'est là. Ah, j'ai bossé quand même les départements un tout petit peu. Hein. Ok, parfait. Du coup, je sais que je suis en Ariège. Donc maintenant, ça va nous permettre de choper une départementale. Le plus gros truc, c'est Montfort-sur-Risle. Montfort-sur-Risle, qui a l'air, donc du coup, c'est sur la D47. Ça, c'est la D117. Est-ce que je vois un Montfort-sur-Risle, par exemple? Je sais pas où ça s'arrête exactement. Parce qu'on n'est pas vraiment non plus en full forêt, quoi. Donc, on est peut-être... L'Ariège, ça s'arrête là. D47. Hein. Montfort-sur-Risle. Montgaillard. Non, c'est D117 qu'on voit beaucoup. Après, là, ça grimpe de ouf. Hein. Luznac. Commune de Luznac. Commune de Luznac. D2, D5, D47, c'est où du coup je vais pouvoir avoir un croisement? J'ai pas eu la ville juste au fond, putain, Brestot. Brestot à 1,5 bornes. C'est commune de Luznac, ça doit être un des bleds là dans le coin. Ça doit être un des bleds et... C'est surprenant. Alors là, je ne sais que dire. Ah, c'était jumelé. Ah là, je... Ah non, là, c'est coup dur, quand même. Là, je dois avouer que... Ah ouais, putain, mais parce que... Bah, au moins, j'ai trouvé la ville jumelée. Hein. Si on me la demandait... C'est pas Luznac. Ah, j'ai cru que c'était commune de... Tu sais, genre, attaché à Luznac. C'était jumelé. Mais pourquoi on jumelle des villes en France ensemble? C'est... On fait pas ça, normalement, à l'étranger? Tu sais, genre, tu fais pas ça avec une ville allemande, une ville... Oh, putain. Ah, j'étais dedans, je me disais, tiens, c'est bizarre, on voit pas. Pas seulement l'unique. Les arbres, ah merde, ouais, les arbres vont pas beaucoup parler, là, quand même. Hein. Rougemontier, c'est ça que j'avais vu. Après, à cette distance, c'est limite à l'étranger. Oui, c'est vrai que... Mais normalement, c'est, enfin, c'est juste des accords entre pays, tu vois. Où j'imagine, je dis une connerie, mais il y a peut-être, je sais pas, les écoles qui vont voir l'autre ville ou autre, j'en sais rien, mais... Surtout que c'est full montagne où t'as cliqué. Ouais, ouais, mais tu sais, du coup, quoi... Quand je vois Ariège, moi je pars dessus, quoi. Je me dis, allez, allez, on y va, quoi. On y va, on y va. Beaucoup de villages alsaciens sont jumelés avec, en Dordogne, ok. Putain. Ah ouais, là, on a vraiment eu deux ambiances, quoi, dans ce run. Bon, on est en sang. On s'en refait une petite. On s'en refait une petite, France métropolitaine. Allez, on peut appeler ça un choke, oui, là, je pense que... Là, on l'a pris. Aïe, non, j'ai déconnecté le câble. Ça, c'est terrible. Du coup, je vais cliquer. Boum, le clic est présent. Hop, là, j'ai du carrefour, là. Là, j'ai du carrefour, mon pote. J'ai du carrefour qui me plaît bien. De la communale, Val-Suzon. Val-Suzon, Prénois, mini-golf. Ok, je vais reprendre ça et je vais aller à Val-Suzon. Je vais aller à Val-Suzon. Allez, on reprend une départementale qui a l'air d'être un peu plus tocos. Ça fait toujours du bien. La bonne départ. Elle fait plaisir, cette départ. Elle est en train de nous mettre très très bien cette départ. Ah que oui. Oh là 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 là. Pays Saint-Seine. L'abbatiale de Saint-Seine. Les sources de la Seine. Genre... Ah oui, les boucles de la Seine. C'est peut-être ça le pays de Saint-Seine. Ça m'étonnerait qu'il y ait genre des montagnes. Il n'y a pas de montagne au Havre. On dirait qu'on est dans le sud là. On dirait qu'on est en Corrèze ou... Bah, j'attends de voir de toute façon. Ouais, c'est pas du tout comme ça le Havre et tout. Bah, pas du tout, oui. Qu'est-ce qu'on. J'ai pas du tout cliqué au bon endroit, moi. Bah, disons.
Saint-Seine-l'Abbaye. Châtillon-sur-Seine. Putain, c'est à 67 bornes. Châtillon-sur-Seine, je suis un forceur, mais comme je connais tous les Châtillons. Châtillon-sur-Seine, il est genre par là. Attends, c'est où la Seine déjà? C'est la Seine, ça? C'est Lyon. C'est énorme. Voilà. Saint-Seine-l'Abbaye. Mais attends, Châtillon-sur-Seine, il est vraiment loin, genre. Je fais nimpe. Je fais nimpe, putain! Ça, c'est la Saône, ça. Elle est où, la Seine? On a perdu la Seine, bordel. Vous vous rendez pas compte, vous? Là, on perd la Seine, personne ne se dit rien. Putain, Châtillon-sur-Seine, ces gens là-bas. Il y a Dijon, 16 bornes, et je me fais chier depuis tout ce temps. Je suis un gros clébard. Voilà ce qui se passe. Et c'est au sud. J'ai Dijon, ça fait 10 minutes, frère, je m'emmerde. Oh non, je suis à chier, là. Oh, je suis à chier. Oh, je suis à chier, là. Il y a Dijon sur le panneau, je suis là. Non, je suis naze. Je suis pas dedans. Mais du coup, il n'y a pas un Châtillon sur Seine. Attends, on va suivre la Seine un peu, là. Tu connais Châtillon en Vendelay? Ça m'étonnerait. Ah oh, non, ça me dit rien. Il y a beaucoup de Châtillons. Alors, ça, c'est Lyon. Du coup, nous, on monte. La Seine, ça devient ridicule. Meryl sur Seine, tac, tac, tac. Hop, on suit. On arrive à 3. Où est-ce qu'on ressort, là? On ressort par là. Boum. Tu l'avais sur ton screen. Tes zooms, elle est visible. Ah, Châtillon sur Seine, c'est là. Ok, donc c'est au-dessus de... C'est dans Lyon, en gros. Côte d'Or, quoi. Putain. Oh non, c'était très mal joué, là. Et du coup, c'est où le... L'abbaye sur l'abbaye Saint-Seine, là? Ah, je m'en veux, mais... Mais bon, on doit aller chercher des points. On va pas pouvoir faire la run parfaite, là. Ah non, là, j'avoue que... C'est parce que j'ai pas joué depuis le dernier live aussi. Alors que j'aime bien, je veux tout garder pour Light Tracker. Depuis que j'ai Light Tracker. Le bug est flingué. Pas mal ce petit son. Là on pourrait... Oh bah là, ça c'est pas plaisir ça. Belvédère du camp de César. Cimetière militaire. D'Étinehem. Ça fait pas un peu genre Alsace, ça? Tombe de guerre du Commonwealth. D'Étinehem. D'Étinehem. Ok. Et dans la Somme. Ah, oh, je me déçois aujourd'hui là. Je dois vous avouer que j'ai un peu le seum quand même. 34 bornes d'Amiens. Corby. Sur Somme. Étinehem, Milancourt. Ok. Pas mal. Je suis passé par où? Putain, je sais plus par où je suis passé. Je suis un kleps. Je suis passé par là ou par là? Je suis passé par là. Je suis allé à l'est. J'étais sur la D1. Il y a une petite route ici. Je suis là. Non, je suis là. Il y a le virage. Ouais, je suis là, je pense.
il va le chercher. Il va le chercher, celui-là. En manque de confiance. Il fait du bien. Ah, il fait du bien, il fait du bien, il fait du bien. Ah, celui-là. Aïe, 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 aïe. On se le prend. Ah, si, si, il fallait. Il fallait parce que là, ça se dit étinant, PA. Ah, ok. Ah ouais, non, là, on était... on se sentait pas en confiance aujourd'hui. On se sentait pas en confiance. Pouf. Le N plus 3, non, c'est bon. Tu m'as fait sursauter. Ah ouais, non, mais normal, mais là... Là, c'était pas loin de chez Feu, mon grand-père. Oh putain, dans la Somme. Mais ouais, non, non, bien là. En fait, j'ai galéré. En fait, je me suis posé la question de la Somme, j'avoue, la rivière. Mais c'était logique, mais juste, je savais pas exactement où la situer. Comme quoi, vraiment, Amiens, plaque tournante. Hein. Plaque tournante, quoi. Il y avait tellement de chemins, t'as pris... Bon, après, c'est de la chatte, hein. Je vais pas vous mytho. Je me suis juste dit, tiens, il y a un petit chemin. En fait, j'ai pas pris lui, parce que c'était pas une rue. Et je sais pas, j'ai vu qu'il y avait une cassure. Il y a de la chatte. On n'est pas là non plus pour se mentir intégralement. Il y a de la chatte, mais... L'eye tracker, c'est stressant. Ça sert à quelque chose ou pas, l'eye tracker, du coup? Vous trouvez ça bien, pas bien? Parce que du coup, parfois, peut-être pour les panneaux, vous pouvez voir un peu... Bof, non, bof. Ah, c'est à chier, hein? Ça me tilt, c'est pas ouf, je trouve. Putain, moi, je... C'est accurate, ouais, pour le coup, c'est accurate. Là, je vais regarder ma photo, did you enjoy? Je mets 5 étoiles? Je peux mettre 5 étoiles, je peux mettre une aussi. Mais ça a l'air d'être déconcentré. Inutile, en vrai. Oh, super, mais les gars, moi, vous me dites, hein. Moi, vous me dites, si ça sert à rien, je l'enlève. J'ai juste claqué 250 balles pour le mettre. Eh, hey, y a pas de... On essaye des trucs ici. Hein. On est là pour s'ouvrir l'esprit. Hein. On se teste deux games sans, et on verra ensuite si c'est bien ou pas bien. On tente, on propose. Ici, on est dans de la proposition, après... Mais même moi, ça me fait bizarre un peu. Donc, je peux comprendre. Laisse, rentabilise. On se fait deux games sans et t'as gardé le ticket ou pas. Si quelqu'un cherche un eye tracker, en tout cas, sachez que je peux en vendre un. Ça peut... Une utilisation, 200 balles. 200 balles, négociation possible. En fonction, vous me direz. Une heure de setup, c'est pas la mort de la propale avant tout. Ouais, c'est ça, ça propose. C'est à toi du eye tracker, genre pour des défis interdits de regarder. Oui, ça va se mettre des gros clips avec des gros culs et faut pas les regarder. Oui. On va sûrement rentabiliser avant en mettant 2-3, quoi. Parce que bon, histoire d'eux. Sinon, à quoi bon, hein. Alors, waouh, ça c'est beau par contre. Ça c'est beau et c'est typiquement le 74. La Haute-Savoie, qui aujourd'hui est en folie. D'accord, ça m'a détingue. Parfait, ça. Albertville. Je sais pas ce que c'est. Albertville, il y a eu les JO. C'est Savoie, non, il y a eu les JO à Albertville. Pouf. Bien. C'est 50 boards quand même. Hein. C'est D523. Ça mettrait trop bien qu'il y ait... Ben non, tu m'étonnes. 50 boards, c'est beaucoup quand même. Hein. Je pense qu'on est plus dans les montagnes. 50 boards, c'est stratosphérique. Et du coup, on n'est pas non plus total dans les montagnes. Faut pas que je reste trop longtemps, là. Pontcharra. Département, votre sécurité. L'Isère. Ah, l'Isère, donc on est quand même proche de Grenoble. Je sais pas jusqu'où ça va. Peut-être là, ça descend. C'est pas la D500. 529 ? Oh, le bâtard, c'est D523, nous, qu'on cherchait. Ça aurait été ouf. Ah, merde, vous voyez pas ? Ah bah oui, je cachais. Ah, oh, j'ai eu un DM. Oh, c'était... Ah non, mais oui, du coup, vous avez pas eu une... Ah, pardon. Ah, mais je cache, du coup, je vous vois pas. Putain, vous avez dû kiffer, là, pour l'instant, la minute 30. Ce streamer, quoi. Laissez-moi tranquille. Vous avez... voilà, tranquille. C'est Jérém qui m'a envoyé. Voilà, bah, du coup, j'avais ça. Bah, je vais vous montrer un peu le paysage, parce que c'est beau, du coup. On va pas jouer, mais voilà, vous avez ici vraiment une belle chaîne de montagnes. Maître d'ouvrage, département de l'Isère, vous pensez qu'on est où là? Pontcharra. Il y a quand même l'air d'avoir. Et du coup, Albertville, c'est là. Parce qu'on a eu les JO là-bas. Après, je vous cache pas, j'étais un peu perdu. Savoie, Haute-Savoie, sauf que nous, c'est Isère. Et Isère, du coup. C'est où Grenoble? Massif des Chartreuses. Non, mais c'est pas loin de Voiron, hein. Pontcharra.
Bon, Chara, tiens. Oh, j'ai cliqué au pif au dernier moment. 4 km. On l'a vu au dernier moment. Putain, et c'est beau, hein, quand même. Vous avez une putain de vue, hein. C'est vrai que la montagne, ça... J'ai envie de faire des randonnées. J'ai envie de faire des randonnées. Non, mais en vrai, j'aimerais bien aller dans les gorges du Verdon, mais l'été, ça doit être blindé. Allemagne en Provence. Ah, c'est engagé comme nom de ville, putain. Qu'est-ce qui s'est passé, château d'Allemagne en Provence? Ils nous l'ont pris à un moment? C'est quoi, Allemagne en Provence, putain? Qu'est-ce qu'ils ont fait? qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là? Allemagne en Provence. Je trouve qu'il y a une prise de conf qui est folle, quand même. C'est quoi l'histoire d'Allemagne en Provence? 75, un film a été tourné. Le nom de ses habitants est les Allemaniens. Comme l'impression qu'ils sont infiltrés, ceux-là. Alors, les Allemaniens? Ah non, non, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Allemagne? Pourquoi on leur a donné un nom de pays frontalier? En effet, fait partie des communes très peu denses. Personne ne veut y habiter, personne ne veut être un Allemagnien. La chronologie. Il existe quelques homonymes, dont Allemagne. Allemagno de Provenzo. La norme mistralienne. Ah non, ça n'a aucun rapport, hein. Temps moderne. Le fils de Boniface X, François de Castellane, Allemagne, baron d'Allemagne, a grandi le château d'Allemagne et mourut le 28 janvier 1523. Leur fils, Melchior de Castellane, Allemagne, baron d'Allemagne. Enfin, toujours plus. Hein. Ok. Le début, c'est vrai que moi je joue au milieu. Non, mais c'est la famille d'Allemagne, quoi. C'est des barons d'Allemagne, ils nous ont squatté un moment et... Seconde constitution. C'est au-dessus encore? Je sais pas. Hashtag l'île début. Pour le nom de la commune pouvant apparaître. Mais non. Moi, je veux aller trop vite dans ces moments-là. Et du coup, en fait, comme je veux aller trop vite, je trouve jamais exactement l'info qui m'intéresse. Du coup, en fait, j'ai tout lu, sans vraiment lire, juste au-dessus. Je le cite. Ici. Plus haut que ça? Toponymie. Ah. L'étymologie de ce lieu. Ah, l'étymologie, c'est bien ça. C'était ça qu'il fallait trouver. Alors, la présence d'Alamance dans la région. Ces théories sont rejetées par les spécialistes depuis un demi-siècle. La forme ancienne Alamania, relevée en 1182, laisse peu de doute. Les Alamans. C'était une confédération de tribus germaniques, principalement suèves, établie d'abord sur le cours moyen et l'inférieur de l'Elbe. Ok. Ah, c'était là. Toponymie, nom de la ville. Moi, je savais pas. Ok, d'accord. Du coup, la forme, machin, en 1182, laisse peu de doute. Ok, parmi les hypothèses fantaisistes, datant de la rivalité franco-allemande de fin 19e. Faites pour nier un rapport entre le nom de ville et la Germanie. Ah, oh, bah ouais, ils ont dû. T'as pas envie d'être un Allemagnien. C'est triste, mais t'as pas envie. Hein. Voilà quoi. C'est quand les lives sur les chess. On s'en fout, joue BG. Oh, Pierrick. Pierrick, tu nous quittes. Pierrick, tu nous quittes alors que t'avais l'air d'un bon gars. Hein. Voilà, t'avais pas l'air non plus d'un mec détestable, hein, à premier abord, mais tu nous quittes si rapidement, tu nous quittes, pff, tu nous quittes pour rien presque. Hein. Pierrick, vraiment, ça se joue à rien. T'as pris 10 minutes, Pierrick, ça va. Oh putain, ça c'est bien ça. Petite maison dans le sud là. Là, on est dans le Var, non? C'est pas genre route de Napoléon dans le coin et tout? C'est ce qui fait le Var jusqu'à Grenoble. Moi, je mise une petite pièce là-dessus, là. Fête patronale de la Saint-Laurent. Petite pièce route Napoléon, là. Pensez aux enfants. C'est beau, en tout cas. Hein. J'ai passé le nom du village, d'accord? Parfois les clics. Ok. Ah, c'est là. Reveste les roches. Yes. C'est énorme. 06 en plus. Putain, ils ont pas de nom. Ah, ça met pas bien ça. Wouah, comment c'est beau par contre. C'est ouf. Ah, là, c'est fou là. Circulation alternée. Les trucs des roches, j'avoue que je sais pas, moi j'aurais bien mis ça... Non, là, tu vois, je sais rien, en Rosan, tu vois, ce genre d'endroit, quoi.
baronnie provençale, tu vois, ça me... Cistéron, un peu ce genre d'ambiance, là, j'en sais rien. Peut-être aller de l'autre côté pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Après, remonter les montagnes... Ah bah... Tourette du château. Tourette du château. Ah, mais les tourettes du château et tout, c'est pas, ça appartient pas à... Il y avait pas un truc genre commune de Nice? Tourette du château. Il y avait bien un truc tourette de Nice. Let's go. Let's go, je quitte. Clac, je vais à l'est. Je suis là. Ah, je suis pas là. Si, je suis là. Oh, je suis pas là, je suis de l'autre côté. Ah, j'ai mal lu. On l'a eu quand même. Ah, on l'a eu. Oh, le Nissa, il a mis bien. Le Nissa, il a mis bien. Là, j'avoue que... Ah, donc là, putain, c'est des bêtes de paysages autour de Nice. Hein. Parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Et là, genre, baronnie provençale, ça ressemble pas du tout à ça. Ah, c'est peut-être moins montagneux. Il y a quand même un peu de... Il y a l'air d'avoir un peu de montagne, quoi. Trop beau, oui. Oh, ça a l'air insane, là-bas. Il n'y a pas grand-chose, mais... Il n'y a pas genre des petits lacs. Cascade du Saut du Loup. Ça, ça a l'air d'être le feu, ça. Saut du Loup. C'est un peu la même chose. Si le 04 et le 06 se ressemblent, ça se touche. Nice à la Belin. L'hiver, c'est horrible avec la neige. Les routes sont éclatées, mais pour les cyclistes, c'est ouf. Ouais, bah, tu m'étonnes. Bah, David, à chaque fois, il va s'entraîner là-bas, quoi. Et là, ce coin-là, Moulinet et tout, ça dit quoi? Ça, c'est pure montagne, non, ça? Là, t'es dans les Alpes, quoi. Là, t'es vraiment dans les Alpes. Ah, le Mercantour. Putain, ça me dit un truc, le Mercantour. Isola 2000. J'ai fait toutes ces routes en moto et en vélo. Ah là là, le Niçois Veft. Le Niçois, pré-Alpes. C'est moins méditerranéen, les baronnies. Ok. Le lac d'Authier. Et eux, ils sont pas genre en forêt, Conségude. Pourquoi ils sont pas en forêt, Conségude? Ah si, c'est juste que c'est pas bien mappé. Limite, GeoGuessr, tu prends les adresses pour les vacances. Ah mais je trouve ça trop bien. Moi, je trouve ça fantastique de pouvoir... peut-être de voir la France, quoi, tu vois. Il y a des endroits où ça te donne envie ou non, quoi, d'aller. Bon, là, on est clairement chez quelqu'un, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai pop... Ouais, t'es vraiment dans la vallée, quoi. On va voir Cucuron, c'est magnifique. Cucuron? Cucuron dans le Luberon. Alors déjà, c'est où, Cucuron? Ok, c'est au-dessus d'Aix. Boum. Je suis téléporté. On n'est pas exactement à Cucuron, là. Merde, comment je reprends mon gars? Comment je le reprends? Je peux le reprendre? Non, parce qu'on voulait aller à Cucuron. Ah, c'est bon, je peux double-clic, en fait. Et du coup, c'est magnifique, alors. Voyons voir. Perdons-nous dans... Non, ça c'est sympa, ce genre d'ambiance. Ce genre de petite place du village, là, et tout, là. Ça, c'est quand même sympa. Maison en terre cuite. Après, je sais pas si j'irai à Cucuron, du coup. Je suis content de voir Cucuron, déjà. C'est vrai que c'est un plaisir, l'été, full pétanque. Ça, c'est vrai que ça sent l'été, quoi. Non, non, propre, hein. Propre, propre, propre. Bon, on a fait un bon score, quand même. Quoi? De quoi, la place du village? Faut absolument tout plaquer pour aller là-bas, au vu de ces images. C'est vrai que ça m'a été un peu survendu. Je dois avouer. Après, bon... pas ouf, les petits villages du sud. Ah, si, c'est cool. Pour le club de ski. Ah, tu peux skier, tu peux skier ici? Réserve, mais tu... Comment tu skies? Oh, putain, c'est fou. Je dors tellement serein avec le coach de mon équipe. Oh, le Xav. Xav, en plus, il a un talent. Faut juste que Gigi lance. Hein. Donc, faut juste lancer tranquillement. Gord, c'est un piège à touristes. Ah non, ça m'étonnait. Hein. Oh, coach! Bon, où est-ce qu'on est, là? Oh là là, changement d'ambiance avec de l'ardoise. Là, on est en Bretagne.
Je vous le donne en 1000. Encore CC Breton. Grèzneville. Oh, Grèzneville, c'est Bretagne, ça? Pourquoi pas? Y a pas du Caire dans le coin, là? Centre Chian. Moyen Bretagne, quand même. Hein. Peut-être Normandie, peut-être Normandie. Non, mais si, les l'ardoise, c'est où? C'est pas en Bretagne. Attends, y a pas un sous-titrage... Oh, putain, je vais me foutre en plus dans un... 0-2. Bon, déjà 0-2. Oh, 49. Alors, attendez. 49. Je me concentre. Loire-Atlantique. 49, c'est Mayenne. Non, Mayenne, c'est pas ça. C'est soit... Mais non, c'est... Putain. J'ai perdu. C'est pas Rennes? Il est vilaine? Non, pas du tout. C'est pas du tout, il est vilaine. Si, c'est il est vilaine. Oh, je suis perdu. Je suis perdu. Attends, 49, c'est un... C'est un L. Ah, c'est l'Anjou. Ah, c'est l'Anjou. Anjou-Touraine. Saut d'Anjou. D291. En Anjou. Machin d'Anjou. Ombré d'Anjou. Taurigné. En Anjou. Ça remonte un peu quand même. Hein. Feneux. Le Lion d'Angers. Oh, c'est stylé ces villes quand même. Hein. T'habites où? J'habite au Lion d'Angers. Oh, ici, tu sens que le Lion d'Angers, c'est là. D291. Feneux. C'est où Feneux? On va passer par lui. Hein. Est-ce que je branle là? Putain, Feneux, c'est là. Voilà. Faut juste crier en fait. Dès que je crie, moi, ça va mieux. Pas ouf au quotidien, mais bon. D191. Et là, c'est la D291. Et voilà, Grèzneville, parfait. Je suis où? Je suis où? Je suis... Sud... Attends, j'allais où? J'allais au sud... Non, c'est pas ça. Je la trouve pas. Là. Je suis là, donc j'étais là. Non, c'est pas la rue des Vignes, ça. Si, c'est... Je suis là. Ah, oh, j'étais de l'autre côté, putain. Merde, bon, ça reste pas mal. C'était quand même pas mal, quoi. C'est pas mal. Bon, après, c'est 3 points, on s'en fout. En vrai, 3 points, on s'en fout, mais... Et 49, c'est quoi, du coup? C'est Maine-et-Loire, 49. C'est Maine-et-Loire. Mais c'est quoi, Rennes, à chaque fois? Il est vilaine. C'est combien, Rennes? Parce qu'à chaque... 60... Non. Il y a le muc. 35. Putain, mais à chaque fois, je force avec le 40 et quelques. Donc, eux, c'est 49. Laval, c'est la Mayenne. Mayenne, c'est combien? C'est combien, Mayenne? 72, Le Mans. C'est 53, la Mayenne. Putain, j'étais pas loin, quand même. 49, c'est l'ordre alphabétique. Ouais, je sais, mais ensuite, faut les connaître tous, tu vois. Et 72, Le Mans. C'est la Sarthe. Ok, je fais combien? 23 900. Bon, c'est mieux. C'est mieux, c'est pas mal, quand même. Bon, j'ai pas été... Si, c'est pas mal, quand même. Dans l'ensemble, avec le choke de l'autre, honnêtement, on peut se le dire, c'est quand même assez propre, quoi. Dur de répartir tous les départements. Ouais, 35-53 pour te repérer entre les deux. Ah, c'est pas con. 35-53. Oh, merci. Très honnête. Ouais, honnêtement, c'est bien. Est-ce qu'on se fait une petite map Europe, on se fait une Europe et une... T'as un goal de points. Bah, en France, en vrai, je régule 23-24 000, quoi. Donc ensuite, bon, tu vois, le jour J. Mais je sais pas du coup ce qui va être le mieux pour la Zilan de pouvoir se faire. Je sais pas si le mieux c'est du coup je fasse France. Parce qu'après, Xari il s'est joué. Vous voulez que je remette Light Tracker? On peut tester un peu Light Tracker, on se fait un peu des deux. Mais je sais pas, je pense pas que ça soit France le mieux. Parce que France, je pourrais donner des conseils, tu vois. Enfin, au moins, je pourrais faire cliquer. Parce qu'on est d'accord que tu peux montrer où faut cliquer, quoi. Tu vas pouvoir dire où faut cliquer et tout. Donc je pense que ça sera bien. On va faire Europe. Europe, c'est quoi? C'est Europe by Mapper. On se fait World ou Europe? World, c'est dur hein, parfois. On va se faire World, vas-y. On se fait World et ensuite on part sur
Et ensuite, on fait monde puis Europe. On fait l'inverse. On dézoome et on rezoome. Celle-ci, la carte, elle est... Ok. Parfait. Parfait, parfait. Monde ou Europe, c'est là où tu peux clutch potentiellement. Ouais, c'est vrai que c'est plus ça que je dois... C'est là où il y aura peut-être plus d'écart, quoi. Type Kito, merci pour le 30e mois. Sissi, 25 mois. 9 mois pour WarZ. Neoxy, 6 mois. Tommy pour le Prime. Salma aussi pour le Prime. 2 mois pour Levo Mew. 8 mois pour DJet. Vonke, 4 mois. 3 mois pour Matt. Merci beaucoup. C'est clairement là où les gens vont choke. Ok. C'est propre. Oh là là, Justin, le boss. Fais-nous un challenge. Non, c'est chiant les challenges parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, vous... il va y avoir des gens meilleurs. C'est la vie. Mais sinon, bah, en fait, comme vous avez certains on le stream, les gens check. Tu vois, avec moi, donc c'est pas le but. Vaken, merci. Et flemme d'être en mode, du coup, il y a les gens. Enfin, en fait, ça veut rien dire, tu vois. Limite, faudrait que je fasse. Ça peut être cool de se faire peut-être un petit. Ah, ça peut être cool de se faire ça. Peut-être pas le faire le dimanche parce que Antoine et tout, ils sont stratosphériques. Mais du coup, s'organiser un petit tournoi à 5-6, tu vois, genre. Étoile, Ponce, tu vois, quelques mecs qui participent. Et ça peut être sympa, ça. Peut-être semaine prochaine, je vais organiser ça, je vais faire ça. Dans la semaine, là. Ah, vas-y, je vais chauffer quelques mecs. Je vous propose 2 secondes. On va se faire monde puis Europe. Petit pipi. Je vous mets 1 minute de pub. Voilà. En vrai, le dimanche, t'es le bienvenu. Mais vous êtes monstrueux, non? Genre, après, je pense que je suis meilleur que Ponce. Mais Ponce, j'ai vu, il s'est fait exploser, non? Je suis juste passé étoile trop fort. C'est ok ton level pour le dimanche. Ah, ok. Y a Zera qui va faire quelques events. Ouais, c'est vrai que je pourrais faire un petit jeu au merding du dimanche. C'est vrai. Ouf. Non, mais sans que ça soit. Tu vas pas t'amuser du tout. J'ai peur de pas m'amuser. C'est d'être en mode... Enfin, pas m'amuser, mais d'être en mode... Ah, 4948, putain. Personne n'a fait en dessous de 4999. C'est tellement ils sont chauds. Ace, merci pour le 24e mois. Cold Caf aussi, 3 mois, Green Tier. Si c'est de la coop, tu vas kiffer. Ah, ok, d'accord, vous cumulez les points. Ah, j'avoue que ça peut être bien. Vas-y, bah, je vais voir, peut-être. On va voir... C'est dimanche ou dimanche d'ap. Putain, mais je voulais faire... On va voir. Green Tier, merci beaucoup. Tu te fais graille par Pompon. 1v1 Pompon. 1v1 Pompon, je le déguste. Voilà. Thomas, merci pour le 9e mois. J'arrive tout de suite. Et on continue. On continue tranquillement cette petite journée. Voilà. Et après, insurmontable, hein, à 20h. Ça va aller piocher, là. T'es un alpiniste. Et à vous. Il a pas mis la pub. Ah si, j'en avais mis justement. Attends, on a parlé hier dans Popcorn d'ailleurs. Bon. Du coup, en France, je veux savoir, vous êtes censé apprendre en cours le nom des départements liés aux chiffres. Est-ce qu'on est censé en... On apprend les départements en cours ou pas? C'est pas mal ça. Je crois pas, hein. Non. Non, non, on apprend pas quoi. On apprenait les régions, mais entre-temps, les régions ont changé. Du coup, bon, un peu la merde, quoi. Nos grands-parents l'ont fait. Ouais, tous nos grands-parents connaissent, quoi. Donc, ouais. C'était les fleuves, ouais, les fleuves. Au collège, moi, oui, au primaire. Putain, pas, moi, j'avais pas appris de mémoire. Non. Non, j'ai appris avec mon daron, moi. Ouais, non, on n'apprend pas. Perso, moi, je les ai appris en cours tout avec tous les nombres. Putain. En vrai, c'est propre, hein, parce que j'avoue que c'est intéressant quand même. C'est un truc où. Sous département, bon, je moins que région, quoi. Région, c'est CM1. Tu fais pas genre en 6ème, des trucs comme ça? Bon, map monde, les amis. On est parti. On est parti. Et là, ça fait bien plaisir de partir. On est
où là? On est genre... Ouais, ok, en Amérique du Sud. Ah, ça pouvait être pas mal, ça. Rancho Viejo ou... Ah, c'est le Quinro, là. Quinro, c'est pas un fleuve d'Amérique du Sud ou... Ah, putain, où c'est un état. C'est le Kinanaro. Putain, ça me dit un truc, ça. Pourquoi ça me dit quelque chose? C'est connu, là, Kinanaro. Ah, putain, je vais avoir le sub. Bon, c'est pas grave. Kinanaro, c'est quelque chose. Pourquoi je connais ça? Pourquoi je connais le... Panama River, pourquoi je connais ça, ça? Panama River, non, c'est pas ça. Panama... Enfin, du coup, j'ai... Du coup, j'ai perdu voilà, le temps là-dessus, là. C'est bête. C'est bête. Je vais passer par là. C'est quoi ça? C'est en Argentine? C'est pas en Argentine, c'est plus haut. Ah, j'ai le seum. C'est au Mexique, mais là, c'est pas du tout Mexique, là, ce qu'on voit. Quoique... Oh non, ça servira à rien. Non mais attends, j'ai besoin de... Attends, j'ai besoin de comprendre. Quintana Roo. C'est ça, si si, on est Je savais que je connaissais, mais... La question c'est... Est-ce que c'est là vraiment? Je cherche Rancho Viejo, je trouve pas. Je sais pas. Ah si. Ah, ça me disait un truc, putain. Je pré-shot Mexique. Non, c'est genre un des... Ah, mais putain, du coup. Ah, mais parce qu'il y a ça. En fait, le Quintana Roo, je crois que c'est tout ça. Et du coup, en fait, il y a différents états, genre le Yucatan... Ah non, le Quintana Roo. Mais je crois que le Yucatan appartient au Quintana Roo. En gros, le Quintana Roo, c'est trois trucs différents, non? Ah non, ça a l'air d'être séparé quand même. Ça a l'air d'être séparé, ouais. Donc, Non, ok. Bon, on va pas si mal, hein. 4740. Non, 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 c'est genre bien un état. Non, non, mais en fait, je connais parce que j'y étais allé, donc... Je trouve pays plus région. C'est la péninsule du Yucatan. Ouais, ouais, non, c'est ça, donc j'ai dit de la merde. J'ai dit de la merde, ce sont deux états différents. Yucatan qui est une région et un district. Donc c'est l'inverse. Ok. Ok, d'accord. Bah très bien. T'as le droit à plus de kilomètres. Mais en fait là je suis à 100 bornes et du coup les points tu les perds moins vite. Genre j'aurais fait 100 bornes en France, ça aurait été terrible, tu vois. Donc là 4740 c'est très très bien par exemple. C'est difficile je pense à Régu, sauf si t'as des grosses infos quoi. Ok. Navarisca, bon bah on est en Amérique du Sud dans un truc où justement c'est dulcestito.com, dommage on n'a pas d'infos là-dessus. J'aurais bien dit genre Bolivie, Pérou. Après là c'est vraiment du pif quoi. Miral de Savilla. Je dirais ça. Pourquoi je dirais qu'on est en... Ah non, putain, je regarde pas les drapeaux. On est où, du coup, là? Non, on est juste en Espagne, en fait. On est juste en Espagne. Ok, on est juste en Espagne, du coup. Putain, je connais aucun endroit montagneux en Espagne. Si, Andorre, quoi. Est-ce qu'on serait pas loin d'Andorre? Faisons un peu de clic, là. Pour avoir quelque chose, peut-être... Avila. Ah, je connais pas trop. J'avoue, je connais pas trop l'Espagne. Y a pas la mer. Ouais, j'aurais foutu ça près de l'Andorre, mais.
Ah, je vais rester là un peu. Ah, je regarde pas les... On n'est pas en Espagne. On n'est pas là non plus. Voilà, c'est la sauce. Hein. Je sais pas où on est. AV901. C'est pas ça leur route. On n'est pas genre Tenerife ou une connerie comme ça. Non, c'est TF. Ah, mais AV, ça doit être en fonction du... AV... Ah non, je me suis dit c'était peut-être en fonction de... Non. C'est en fonction de l'état, c'est ça? Les routes sont en fonction de... Ah, j'ai essayé de changer, parce qu'en fait, du coup, comme on a vu TF, c'est en fonction de l'état, c'est ça? C'est de la ville, carrément? Putain, pas si loin de Madrid, il y a ça, hein, Casa Fiera. Regarde à l'ouest de Madrid. L'aide des routes, c'est par rapport à l'état ou les villes principales? Avila. Ah, et du coup, oui, pardon, je suis con, bah du coup, comme c'est AV, tout est Avila autour? Là, SA, donc tout est Salamanca. D'accord, ok. Ah, je savais pas du tout ça. J'avoue que World, j'ai pas fait tant que ça, moi. C'est pour dire la grande ville à côté. Je savais pas du tout. AV égale Autovia. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste pour un villa qui était à côté. Et du coup, t'as plein de routes qui partent de la villa. Et du coup, Madrid, c'est quoi? C'est M... Ok, mais du coup, tu dois en avoir des milliers, non? CM, c'est pourquoi, par exemple? Ouais, tu peux pas tout connaître, quoi. Ciudad Real, peut-être. Mérida, du coup, Mérida, c'est M à nouveau? Non, il t'en chope d'autres, là, par exemple, c'est EDX. Ok. Capitale du département. AP Autopista. Ok, bon, bah, 4100. Pas dingue, mais difficile de faire mieux là-dessus. Difficile de faire mieux. Alors, parce que de monde, on est tombé quand même Passo Carabiné. Comune di Gaeta. Comune di Gaeta, Passo Carabiné. Ok, donc je pense qu'on est en Italie. Centro Mobile. Ok, je pense qu'on est en Italie. Maintenant, Galilée. La question, c'est on est où? On est en bord de mer, petite plage. Ok. Pablito, j'ai vu. La Cinture. Ok, la Capitaneria. C'est beau encore, putain, l'Italie, c'est beau aussi. Tellement de beaux endroits, quand même, c'est fou. Ah, là, ça, j'aime ça. Comment ça? Ok, on a 36 bornes de Naples. Et Naples est au nord. Donc, du coup, on doit être vers là. C'est la A2 qu'il faut suivre pour ça. Il y a une A2 au moins? Peut-être la A3. 36 bornes, ça donne quoi? Ah mais là ils abusent les mecs, ils ont pas fini les panneaux, ils se foutent de notre gueule ou quoi? Ah non, ils abusent les mecs, hein, vraiment là. SS7, Napoli, c'est ça? Oh les mecs sont en foutage de gueule de fou là. Formia 4. 36 bornes. Je pense que ça c'est à peu près 36 bornes. Hein. C'est qu'on aurait peut-être Salerno dans le coin. Formia. Je vais... Ah, Formia là. On est de l'autre côté, donc on est là. Gaeta. En fait, on va juste au nord parce qu'on traverse. On fait l'inverse. La mer est où? La mer est derrière moi. J'arrive là. La mer est à l'ouest. Ensuite, je longe, là, je vais au nord. La mer est à droite. Donc, je suis là, quoi. C'est ça, Porto. Ah, juste à côté. Je suis con, parce que je pensais qu'il me restait un peu plus de ton. Bah oui, la mer est à l'est, pardon, pas à l'ouest. La mer, ah, oui, excusez-moi. Bon, bah, clean, là, 4998. Non, mais en fait, ça, parfois, ça te perturbe, parce que du coup, comme tu vas au nord... Mais tu vas juste au nord de ta route. Mais, genre, tu vas... Enfin, la direction globale est au sud. Et donc, du coup, parfois, tu prends... Je pense, dans le monde, faut pas prendre ce genre d'indice. Parce que sinon, ça te nique, du coup.
Il y a un slow mode. Enlevez le slow mode, hein, si vous voulez. Enfin, je sais pas comment ça se passe à côté, mais... Déjà 6 mois, vive la Team Pax, merci Bridge. Non, non, pas mal, pas mal. C'est joli, en tout cas. Hein. J'avoue que... Petit port et tout comme ça, là... Et... Italie, ça a l'air sympa. Hein. Après, là, au final, c'est de la... Enfin, on a fait Espagne... Là, on a un run où t'as pas beaucoup de trucs, genre Thaïlande et tout, quoi. Ah, c'est mignon, hein. 10 S, c'est rien. 10 secondes, c'est rien. 10 secondes, c'est cool, ça empêche. Ah oui, c'est en 10 secondes, pardon. Oh, ouais, non, 10 secondes, c'est bien, pardon. Allez, en route. Alors, changement d'ambiance. Là, tu vois, première intuition, je dirais Pays-Bas. Pays-Bas, peut-être Belgique. Comme ça, juste au... La brique, je sais pas, le fait que... Brøndby commune. Brøndby, c'est... Attends, c'est Norvège. C'est où, Brøndby? Brøndby, c'est hyper connu. C'est Suède. C'est quoi, Brøndby? C'est Danemark? Ah, Brøndby, c'est connu de fou, genre. C'est Norvège? C'est Finlande? Putain, c'est... Brøndby, c'est pas un truc sur FM, ça? Il y a des clubs et tout... Max 30 km zone. Non, mais non, parce que c'est pas comme ça. Bus. Mais non, de toute façon, suédois ou quoi, on va vite capter. Oresteneren Kiosk. Non, mais bah, du coup, c'est soit Danemark. Brøndby. Oh, Brøndby, ça me parle de fou. Odense. Ça me parle de dingue. Faut juste pas non plus que je passe trop de temps comme il y a. Enfin, il y a peu de temps, c'est en 2 minutes 30, donc tu dois vite... Peut-être qu'on le voit, non, je regarde même pas, moi, là. Danemark, c'est peut-être Pays-Bas, en fait. C'est peut-être Pays-Bas, ça. Hein. Maximum Test Sugar. T'as Boussen, donc... Ah, c'est pas Pays-Bas. C'est où, Brøndby, putain? C'est pas le IF Brøndby, même? Ah, mais on est en Suède, là, en fait, hein. On est en Suède ou on est en Finlande, là. Hein. Il se passe des trucs ici. Hein. Ils ont Lidl. Hein. Point DK. Non, non, c'est bien Danemark, ok. Ok, Brøndby, 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 Brøndby. Brøndby, Brøndby, Brøndby. Putain, c'est où? Attends, si je dézoome, on est d'accord que je l'ai pas loupé, là. Non, non, juste, ça doit être... Qu'est-ce que tu veux que je le trouve comme ça, là? Odense, Svendborg, Randers, vous l'avez? Putain, je l'ai pas moi, hein. Je sais même pas s'il est affiché. Je vais jouer méta, je vais mettre ça là. Comme ça, c'est à peu près équidistance. Là même. Eh ben, je sais. Oh, c'est genre, c'est Copenhague? Mais what? C'est un Brøndby. Ah ouais, c'est en banlieue, c'est pas énorme. Ah putain. Mais c'est bien l'IF Brøndby, non? Oh là là. Oh, la culture foot qui nous met bien. Enfin, plus ou moins, parce qu'on ne savait pas exactement. Ils sont combien au classement? Ils sont deuxième. Eh, ils sont là, hein, quand même. Hein. Et du coup, il y a deux clubs à Copenhague, quoi. Ok. C'est Brøndby, IF. Ouais, ouais, c'est ça. Eux, c'est les cracks qui ont les mecs trop chauds, là. À chaque fois, ils sortent les pépites. Moi, je connais à peu près que ça. Et ça, c'est Copenhague, du coup. Lyon avait déjà joué face à eux. Et même sur la map... L'IF. Où ça? Le stade, genre? Là, il y a Brøndby Strand. Je le vois pas. Je le vois pas. Une des meilleures équipes féminines il y a 10 ans, ouais. Il n'y a que 6 clubs en ligue danoise, apparemment. Ah ben non. Non, non. C'est... Ah si. Non, 12 en fait, mais je comprends pas du coup le truc de relégation. Parce que genre le premier ici a plus de points que le sixième ici, que Randers là. Ah du coup c'est genre eux ont été relégués, et là c'est un système de play-off en fait. Où du coup ils comptent, je pense que... Ah ils doivent peut-être stopper les matchs à 20. Tu sais, ils font 20 matchs à 12 et ensuite ils font les 6 en play-off et les 6 autres en relégation. Ça doit être des play-down et ça, c'est des.
Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et Brøndby qui avait été... 22, ils font pas 20. Et ensuite, ils font 7 matchs de play-off. Ok. Ok. Bon, pas si mal. Dommage, dommage. On avait trouvé Danemark. Je savais que ça me disait quelque chose. Ouais. C'est stylé comme système. Ouais, c'est pas mal. Hein. Après, 12 clubs. Parce que ouais, Danemark, c'est combien d'habitants? Danemark, je dirais... Belgique, c'est 12. Je dirais que c'est 7 millions. Ah, c'est 5,8. Non, c'est moins que ça. Hein. Danemark, Norvège, Suède et Finlande. Finlande, c'est combien? C'est 5,5. Ah, c'est fou, hein. Parce que c'est vrai que le pays scandinave plus... C'est qui est pas scandinave? C'est la Finlande ou c'est la Norvège? Belgique, c'est 11. Ok. Ah ouais, t'as 15 millions plus 10 en Suède, t'as 25 millions quoi dans les 4 pays. C'est Finlande hein, qui est pas scandinave, ok, c'est ça. Ouais, t'as 20 millions chez les Scandinaves plus 5 en Finlande. Ok. Ah, c'est petit, hein, parce que c'est vrai que parfois on compare aussi en mode... Parce qu'ils font des trucs de ouf les Scandinaves, mais bon, 5 millions par pays, c'est différent aussi, quoi. C'est différent. Bon, allez, on repart. On sort pas si mal en World, là. Après, encore une fois, c'est beaucoup d'Europe. Là, on tombe où? Ah, là, c'est les vrais défis, là. Là, c'est du Cambodge. Ça a pas l'air d'être du Cambodgien. Bon, j'en sais rien. Non, ça, c'est pas du Cambodgien. Ça se voit tout de suite. C'est pas mal du Cambodgien, quand même. Hein. Ça m'a pas l'air d'être... Non, mais c'est plus arrondi. Myanmar. Mais peut-être que le Myanmar, c'est pas Street View. C'est plus arrondi que du cambodgien ou même du... Ouais, ça parle pas mal anglais. Pas sûr que Myanmar, ça soit... Quoique... Ça rien, j'ai du full merde. On est quand même dans du... Apollo Family Care. Oh, putain, un petit point d'exclamation, un petit... Ah, là, c'est toujours un plaisir, là. Asie du Sud-Est, ça met toujours bien, ça. Là, c'est soit t'as le panneau de chat, soit t'es... Soit t'as un... Les couleurs philippines? Non, pas du tout. Non, Philippines, en plus, ça parle beaucoup anglais. Hein. Mais en même temps, là, il parle un peu anglais, quand même. Hein. Service and part, Danidou, TVS. Ça parle pas mal anglais, quand même. Hein. Bronze Agriculture, LTD. Putain, on n'a pas la... Ah, mais ça, c'est des bus. On est en Inde? Quoi? C'est pas les couleurs de l'Inde, ça? C'est Street View l'Inde? C'était pas les couleurs... C'était pas le drapeau indien? C'était le drapeau indien, ça, putain. Peut-être que je me plante, genre je connais pas le drapeau du Cambodge, un truc comme ça. Bah là, parfait. Oh putain, c'est pas si parfait que ça, hein. Oh non, il y a un feeling comme quoi l'Inde, c'est pas Street View. Alors, si l'Inde n'est pas Street View, pourquoi le Myanmar le serait? 2019, Galgamua. Il y a beaucoup de Ewa. Mumbai. Putain, je sais pas. Je panique, là. C'est pas Thaïlande. C'est pas Cambodge. C'est quoi? Je vais suivre mon intuition. Bah... Ah, c'était Sri Lanka. Ah là là. J'ai pas cliqué, du coup, j'ai hint. Bon, en tout cas, les routes m'auraient pas aidé parce qu'ils se les mettent pas. On l'avait ici, vous l'aviez, ouais. Et c'est quoi? C'était le drapeau du Sri Lanka, du coup? Ah bah pas du tout. Ah, c'était les couleurs de l'Inde, mais c'était pas vraiment... C'était le drapeau indien, ouais. La voiture bleu, blanc, rouge. Les ronds dans tous les sens, c'est le Sri Lanka 100%. Ah putain, je savais pas du tout ça. Celui-là, il était pas simple hein, quand même. Hein. Ça sera ce timer-là, la Zilan, ouais. C'était bien le drapeau indien, ok. C'est sûrement des bus tatars attachés. Et du coup, c'est... Ok, ça parle un peu anglais. Inde, c'est Street View ou pas? Le Singhalais est très rond comme langue. Est-ce que c'est Street View, l'Inde? Quasiment pas, non? Oui, non, il me semble que oui. Ah ouais, très très peu. Ouais, il doit y avoir 2-3 régions, quoi. Très peu. Ok, Justin. Et Myanmar?
Curiosité. Va dans l'outil de création pour voir... Nope, Myanmar, ok. En fait, il faut que je sache les pays qui ne le sont pas, comme ça, ça te... C'est ici que tu vois, non? GeoGuessr Store. Il doit y avoir un site. Vous avez le site, les amis? Mapmaker. Va sur Google Maps et clique sur le bonhomme jaune. Mapmaker. On n'avait pas mis Max là. Ah, sur GeoGuessr. Ah ouais, mais du coup, je suis ok. Je ne capte pas. Sur Google Maps et tu essayes. Juste Google Maps directement, Pierre. Ouais, mais c'est... Y a pas genre la map du monde où on voit ce qui est pas Street View ? Oh, je suis débile. Je suis désolé, je suis genre... Je suis en tocard, là. Je suis genre... PA le Boomer Mapmaker, j'avais pas vu, pardon. Ça, c'est exactement ce que je cherchais. J'avais pas vu le Mapmaker ici. Ça avait pas été simple non plus. Hein. Du coup... Ah ouais, là, c'est propre, ça. Ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Ah, t'as quand même des zones très, 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 très légèrement Street View, quoi. Bah, il y a un peu de Myanmar. Hein. Ça, c'était parfait, ça. Ouais, Australie, c'est énormément côte est, après, parce que c'est là où il y a les villes aussi. C'est souvent des photos, ici. OK. Ouais, Inde, t'as des petits endroits. Sri Lanka, t'as beaucoup. Chine, t'as pas. Ouais, ça t'aide, hein, tu vois, en savoir en Afrique, du coup, c'est vrai que tu tombes énormément sur les autos et soigner et tout. T'as beaucoup de photosphères dans les pays peu Street View, mais ça n'apparaît pas dans Diverse World. Ok. Ouais, donc quand il y a juste des petites tâches, entre guillemets, c'est que ça va pas être, quoi. Ça va pas être Street View. Ok. Forêt amazonienne, très peu. Le Paraguay, l'est pas, ok. Enfin, ou très très peu. Juste la capitale. Ok, pas mal ça. La Biélorussie, pas trop. L'Allemagne non plus, ça on le savait un peu. Ok. Go sur geotips.net. Non mais il y a trop justement. Il y a trop. Ok. Let's go. En route. Grave bien de savoir ça. Bon, je refais une petite. On a fait 19 000 points. Allons voir combien on peut faire à nouveau là. Parce qu'après, en fait, je fais 19 000 points, mais j'ai 3 maps Europe, donc... c'était pas non plus... Ça, tu vois, ça peut être beaucoup de choses. C'est genre Australie ? Non, ça va pas être Australie. Bah, High Center... Bah, aïe. Qu'est-ce donc? Bah, je veux mes endroits, on s'en fout de ça. On est où là? On est genre États-Unis? Ça me semble pas États-Unis ça. Enfin, ça pourrait très bien l'être, mais. En fait, faut que j'aille plus vite. Mais du coup, en fait, t'as envie d'aller là. Par exemple, il y avait un truc for sale, tu vois, qui était intéressant. Parce que tu veux voir... T'as le thé comme ça, là. Tu vois, ça sert à rien, ce que je fais, là. En fait, 2 minutes 30, c'est fast, hein, quand même. Donc, t'as besoin de... Ouais, c'est en vert. Ça peut être Australie, je sais pas pourquoi. Mais ça m'a pas l'air d'être... Ça m'a pas l'air d'être le paysage australien, quoi. Je vois ça trop touffu pour être en Australie, mais je me trompe peut-être. Ouais. « 40 secondes, j'ai aucune idée où on est. »
j'ai aucune idée où on peut être. Juste ça parle anglais, keep left. Attends, mais on roule dans quel sens là? On roule à gauche? Oh, je sais pas. C'est pas du tout en Australie, c'est. On roule à gauche, putain. Australie, ça roule à gauche, non? Du coup, on a vu que c'était souvent là. Je vais mettre ça ici. Putain, c'était sous Sydney. Ok. C'est sous Sydney, du coup. Ah ouais, c'est vrai que c'est, j'ai l'Australie, j'ai la vision de grandes étendues. Regarde les panneaux, ouais, j'aurais pu plus regarder les panneaux. Non, non, mais j'avais l'impression que c'était Australie, quoi. Keep left overtaking et tout, c'est full Australie avec les villes aménagées, etc. Eucalyptus, 100% Australie. Ouais, j'avoue que j'en suis pas là, quoi. Sur un panneau, c'était écrit Australie. Ah ouais? Ah merde. C'est panneau jaune. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que l'ambiance faisait australienne. Wollongong. Après, faut connaître, quoi. J'ai vécu là-bas. Ah, t'as vécu là-bas? C'est vaste, l'Australie, tu te laisses pas avoir par le climat. Ouais, ouais, non, mais tu sais, c'est souvent des premiers feelings, tu vois. Enfin, je sais pas, tu sais, genre, quand t'es un peu en mode... Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir, du coup? Bon, pas mal. Pas mal, 4000 points. Enfin, c'est pas insane, mais au moins, le feeling était bon. Alors... De la terre... Afrique... Ah, voiture noire, c'est pas un truc? Voiture noire, ça doit être un bail. Voiture noire, ça doit être un truc que je connais pas. Les deux bandes, c'est... Ghana? Bon, on va apprendre, du coup. On va apprendre... C'est Nigeria, ça? C'est Nigeria, le drapeau, non? Minute 30. Ça va être assez big. Les flics n'arrivent pas à passer. Ugbowo, Benin City. Ugbowo, Benin City. Benin City. Entre le Nigeria et le Bénin. Je vais mettre ça entre le Nigeria et le Bénin, moi, tranquillement. Y a pas de problème, hein. Est-ce qu'il y a pas un... All size, c'est que du .com, ça c'est chiant, putain. Il faut du panneau, là. Ah, putain. Bénin City. Ouais, ça, on a déjà vu, celle-là. Olunku Primary Healthcare. Oh, Benin City. Oh, il y a une ville qui s'appelle Benin City, le feu. Je vais au sud. La ville a l'air d'être devant, donc du coup, je pense que je suis sur cette grande route. Je devais être là. Peut-être pas si loin. Peut-être là. Je sais pas. Benin City Bypass. Peut-être plus loin. Peut-être plus loin. Oh, frère, j'étais... Pourquoi je change mon clic? J'avais mis là au début, non? Je crois que j'avais mis là. C'était pile là. Putain, j'ai pas cru en moi. J'ai pas cru en moi. La bande noire, c'est Ghana ou Réunion. Ah, ok. Et du coup, c'est Nigeria, les voitures noires, ou... Non, juste... Putain, Benin... Du coup, il y a une ville qui s'appelle Benin City au Nigeria, qui est ok, juste à côté. Quand t'es suivi par une voiture de flic ou un gros SUV, c'est Nigeria, père. Ok. Nigeria, voiture flic. Ah, d'accord, en fait, il nous suivait parce que du coup, il t'escorte, quoi, en fait. Ok, d'accord. Ok, propre. Ah, je savais pas du tout. Oh, la capitale du Nigeria, Abuja, bien sûr. Les actus de PA d'hier. Avec le petit crack des échecs qui est là à 2200 d'élo, à 10 ans. On se sait. Oui, Sim. Oui, si, oui, merci pour le 24e mois. Commence à être vraiment chaud. Non, mais bah, pas tant que ça, juste... on apprend, quoi.
Voiture droite. Non, sur la droite, c'est Kenya. Ok, ok. Putain, c'est beaucoup de trucs quand même. Hein. Après, on apprend au fur et à mesure. Alors. Pas mal. Ça se met bien chez les Belges. Ah, c'est Google Maps, hein. Ah là, le con, hein. On se doutait bien qu'on allait pas avoir un truc avec marqué Ukraine en gros ou n'importe. Oh, stylé. Verkocht. Quoi, c'est flamand, ça? C'est les Pays-Bas? Kerkstraat. Eh, mais c'est vraiment belge, hein. On est chez les Flamands, là. Attends, c'est quoi, ça? Il y avait un drapeau de la Belgique, là. Eh, les Belges, vous me le ferez pas, là. C'est belge. On est en Belgique. Putain! Eh, mais j'ai du feeling, hein. On est vers Hasselt, là. Hein. Pas loin de Maastricht. Maastricht. Ouais. Avec je mets une nouvelle... Très bien. Très bien, très bien. PCP, ok. Bon, on est en Flandre. Question, c'est on est où? Eh putain, j'ai quand même un feeling, hein, de temps en temps. Hein. Je ressens le pays. Hein. Ça, c'est exactement ce que je voulais voir. Pourquoi ils ont foutu un H C'est ça, non? R4, Riem, tout droit, c'est ça. Tout droit, c'est Est. Je suis sur la R4, moi. Ah, la R4, c'est le périph? Ah non. Mais comment cela? Riem. Si tu sors à droite, il n'y a pas de nom de... Du coup, j'étais où? Je suis allé... j'ai fait quoi, moi? J'ai fait sud, sud. Je continue sud, il y a un cimetière. Il peut être où, le cimetière? Putain, c'est pas simple, ça. Sud, sud, une route un peu arquée, bizarroïde. Hop, et j'arrive sur la grande. Et ensuite, c'est Riem. Je suis en full sud et j'arrive sur la... Ouais, c'est pas là, mais... C'est une route plus bizarroïde que ça. Ah, c'était avant. Ouais, tu vois, j'avais le bon truc, hein. C'était sud, 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 et boum, t'arrives sur la R4. Mais du coup, non, en fait, c'est juste que Riem, c'est pas tout de suite, c'est plus tard la sortie. Ok. Pas mal encore, 4991. Après, là, c'est des points en Europe. Donc les points en Europe, c'est plus... Pour l'entraînement, tu préfères avoir limite que du Thaïlande et tout, quoi. Donc... Non, on enchaîne le pas mal. Plaque blanche et rouge, quelle Belgique. C'était blanc et rouge, là? J'ai déjà tombé sur la Tunisie une fois, j'étais du père. Hein. Ah, c'est blanc et écrit en rouge, ouais. Ah, propre, putain. Ah, ouais, ok, d'accord. Et Flandre, Wallonie, tout, quoi. On est d'accord? Déjà, quand t'arrives sur de l'alphabet latin, c'est cool, ouais, de fou. On préfère avoir que des points sales pour se traîner dessus. Ouais, tant qu'à faire, c'est mieux parce que sinon, bon. Plaque jaune égale Pays-Bas. Ok, ok. Bon, allez, ça repart. Oh, monde, c'est pas mal du coup parce qu'on traîne Europe aussi. Donc, alors là, tu vois, le premier feeling. Pardon, c'était curiosité, ça plus. Parlamento Andino. Ahora. Donc, ça, c'est Amérique du Sud. Hein. C'est de l'Amérique du Sud. Disco bar. Un gros Pedro Andy. Pedro Andy, moi ça me dit rien, donc. C'est pas des coulants de pays, ça là-haut. Ok, est-ce qu'on peut avoir quelque chose. Oh, pas mal ça. Peut-être là, c'est. Oh, c'est chaud. Transporter des... Non, mais ça ne donne pas d'infos sur le pays. Enfin, il y avait peut-être le drapeau, j'ai hésité, mais... le canton Loreto, ok. On s'en fout un peu, ça, hein, parce que là, pour retomber sur le pays de là, t'es bien, quoi. T'es en mode cimer. C'est ta connexion. Ouais, cimer aussi, hein. On va capter ici. Let's go.
Merde, ça c'est une bonne info ça. Putain, ça aurait pu être la meilleure info. Guatico-cha. Putain, j'ai le seum. Ah, oh, ça aurait pu être la meilleure info et non. C'est quoi, c'est un temple aztèque? Les Aztèques, c'est par où? C'est sud du Mexique, c'est Guatemala. Hein, enfin, c'est plus Mexique, mais c'est dans le coin, quoi. Hôpital... Hôpital quoi? Dis-moi des trucs, toi. Tu me dirais pas des trucs, toi? Si, tu me dis quoi? Machin politico, ambulancia, historia, machin, truc... Ah, tu me dis pas grand-chose non plus, toi. On va se faire quelques clics pour voir, mais... Ah, j'ai cru que non, il y avait un... je vais te mettre ça, je vais te mettre ça pas loin du Belize, ou alors je te le mets de l'autre côté, Guatemala. Je te le mets là, ouais. Ah non, c'est Équateur, on n'y est pas. Putain, c'est chaud, hein. Comment on pouvait reconnaître, là? T'as vu le cycle de l'Équateur vers le début, bleu, jaune et rouge. Ah ouais? Ah mais merde, en fait, j'ai pas changé le titre de la journée. Je pense... Guatemala, barre de toit. Ah, c'est vrai, vous m'aviez dit. Tu as des barres sur le toit de la voiture. C'était où l'Équateur, du coup? Le soleil au nord. Ah ouais. 24 des maillots. Parlement andin, c'est les Andes. C'était les couleurs, là? Ça, c'était l'Équateur, ça? Ce truc-là? Andia égale les Andes. Ah ouais, non, mais... C'est vrai qu'une fois que c'est... C'est ici, du coup? Ah putain, j'aurais pas du tout... Ouais, c'est vrai que... J'aurais pu confondre avec la Colombie ou quoi. Équateur, drapeau. Jaune, bleu, rouge... Ah, c'est vrai que bon, forcément quand t'as juste les couleurs, t'es en mode bon, merde. C'est bon. Après Colombie, c'est pas leur ambiance de mettre ça, quoi. Je sais pas, j'ai eu un délire aztèque à me dire pourquoi pas. Piégeux les drapeaux, ouais. Bauer. T'as l'air chaud, vous avez l'air d'avoir une grosse team. Hein. 24 des maillots, c'est connu aussi. 24 Quattro ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le 24 mai, quoi. C'est une fête... Segunda Pascua, quoi. C'est une fête partout, non? C'est lundi de Pentecôte, en fait. Mais du coup, bon... Ouais, complexe, quand même. Ok. Ok, très bien. Putain, mais j'ai l'impression qu'on est tout le temps Pays-Bas ou Belgique. Agagatan. Après, ça peut être ambiance finlandaise. Hein. Seminarniesque. Goler, Genomiert, Tilvog. Ah, ça, c'est bien. Ou voir allemand, là. Mais non, c'est... Ça, c'est nos amis les Dutch, ça. Parce que je crois que Dortmund, c'est Street View aussi, dans le coin. C'est le seul endroit où... Ah, ça fait un peu délire allemand, ça. Hein. Les embrouilles de Street Viewage. Tegelwagen. Tête Allemagne, ça. Tête Allemagne ou... Ah ouais, ça me semble... Ça. En même temps... Toi, je connais pas trop l'Allemagne, quoi. J'ai juste les préjugés sur l'Allemagne. J'ai que ça, moi. Tu vois, on pourrait être où, là? Dortmund, on est dans les contrées dortmundiennes, là. Putain, pourquoi j'ai cliqué où? Waterstugan, Starnans, Fritz Versmarten. Ah, ça fait pas assez allemand. Ça fait pas assez allemand. Non, il y a une ambiance qui est autre. Mais attends, mais c'est ni allemand, c'est finlandais. Le A de point. Ils font le A de point aux Pays-Bas? Ils le possèdent, eux, ce A de point? J'ai pas l'impression qu'ils soient trop dans les accents, eux. Hein. Je suis pas sûr, on est peut-être ailleurs. Hein. Ah bah, finlandais, ils parlent pas comme ça. Oh, là-bas, s'il te plaît. Non, emmène-moi. Oui. Oh, il y a un panneau. Oh, s'il te plaît, le panneau. Oh, c'est traître. Ah, mais putain, c'est traître, ça. Fagersta.
Mais ça m'a l'air d'être Finlande. Gavel. Oh, je suis du père, là. Gavel. J'en génie. 69, 50. On va par où? On va par le nord-est. T'as pas regardé, hein. E16, E16, PA, E16, E16, je viens de là. Je viens de là, Fagersta. Ça, c'est la direction très lointaine. Gavel. Peut-être pas si loin. Oh, peut-être pas si loin. C'était... On était déjà à Fallon. Ah, et Fagersta, c'était là. Bon, c'est propre aussi, hein. C'est propre aussi. Ah, la E16, j'aurais pu l'avoir direct et on était à Fallon direct. Les panneaux de circulation. T'étais sur Fagersta et t'as dézoomé. Ah, j'étais là? Ah ouais, mais en fait, tu vois, quand t'es là, t'as tellement... Là, déjà, il y a tellement de bails, tu vois, qui s'affichent que... Bon, je fais combien? 20 253. C'est pas mal en monde, hein. Honnêtement, il a traîné la diversité française. Ouais, je fais 23, 24 000, en gros, ça dépend. Oh, 2 points, c'est beaucoup Suède. Ouais, ça a l'air. Couleur panneau en Suède. Ça, je pense que tu peux le retenir. J'ai l'impression que l'Allemagne, Finlande et Suède ont la même langue. Eh, c'est louche quand même, hein. Il y a un truc où c'est un peu similaire, hein. Il y a un truc où c'est quand même à peu près pareil. On se fait quoi? On se refait une petite dernière map monde? Vous voulez faire quoi? Europe? Peut-être de la flemme, parce qu'on a fait beaucoup d'Europe. Donc soit on fait une dernière en France, soit on fait monde. Vous préférez quoi? Allemagne en province, 100%. World, monde. Monde, je pense, monde, c'est bien pour train. France. Non, mais c'est pour... J'ai dit France, parce que bah, là, Bauer, tu posais des questions sur la France, et ça m'a donné envie de flex. Parce que du coup, comme je fais des bons scores, ça m'a... Et que tu m'as fait, ah ouais, 23, 24 000, t'es chaud, putain. Je me suis dit, ah ouais, est-ce que je montrerai pas un peu comme je suis chaud? Non, on va faire monde, comme ça, j'apprends des trucs. C'est mieux. Pardon, non, c'est moi. Comme ça, j'apprends un peu des bails et tout, ça peut être pas mal. Parce que c'est vrai que je connais pas tant que ça. Et il y a des endroits, tu vois, où on a eu de la chatte, mais on aura sûrement pas de la chatte. Ah, ça, tu vois, là, parfait, ça. Ça, c'est exactement ce que je voulais, ça. Alors. Rouge. Non, c'est pas rouge, putain, j'allais dire qu'on est en Ukraine. C'est rouge un peu, quand même. C'est rouget, non? C'est pas trop rouget. Oh, j'aurais été content de dire qu'on est en Ukraine, parce que j'ai appris un truc. J'en connais peu des tricks, du coup. C'est un peu rouge, quand même, hein. Il y a un petit doute, hein. C'est rouge-noir, quand même. Peut-être que le sol est rouge, aussi. Le sol est un peu rouge, ouais. Je sais pas. C'est peut-être pas en Ukraine. Petit tag au calme. Petit arrêt de bus qui met bien, qui sert à rien. Petit Jean, petite clope, petite botte. Là, le combo. On vous laisse tranquille. Bon, vas-y, là, il nous faut des... Hop. Pas glauque du tout, petit arrêt. Petit arrêt au calme, dans le bois. Les bails. Hop, ça nous indique juste les virages. Ça met bien. Bonne prise d'info. Il y avait un seul... Ah ouais, mais c'est un coin... Enfin... Là, clairement, ça va se faire sucer dans le bois, là. C'est pas possible, là. C'est... Il y a trop de gens qui ont perdu leurs pneus, là. Oh, les frères, ça fait beaucoup, là. Hein. Il y a une dinguerie qui se passe dans le bois. Oh, là, on est sur un gros... On est sur la plaque tournante... Oh, attends, c'est fou. C'est pas possible. Il se passe quoi dans ces bois, là? Oh, c'est dingue. Il y a eu 4 voitures arrêtées, quand même. Putain, j'aurais dû regarder. Il y a 0 panneau. Et je... Oh oui, là, vas-y, dis-moi. Parle-moi. Oh, merci de me parler comme ça. Ah, ça, c'est... Voilà, un petit canemo. Non, c'est pas Kiev, ça, on sait jamais. Hein. Knib. Non, là, c'est Kikma. Voilà, c'est foutu, là. Là, c'est Kaput, là. Oh, le point RU. Le point RU qui met bien. Knib. Vas-y, la chatte. Comment tu veux que je chatte en Russie, putain? Knib. Je mets ça, là. Au milieu de tout, là. Peut-être un coup de chat. Là. Je remonte un peu vers Kazan. Ah, j'ai bien fait, les gars. Ah, c'était à côté de Moscou. On était en banlieue... Moscovite. Vers la Chine, c'était de l'autre côté. Pas une équipe de basket où... ça se dit Kouchki. C'était quoi? Mais c'est quoi, du coup, le Kouchki? C'est Kim Kill, hein? Non, c'était pas ça, hein. Ah, mais en tout cas, ici, il y a un... Dans le doute, faut viser la capitale.
Ah ouais, c'est vrai, mais en fait, j'ai eu peur, tu vois, de mettre là et que ça soit un bail ici, là. Mais en Russie, c'est quasiment toujours vers l'ouest, le panneau que t'as vu. Mais c'est vrai que par contre, le bois, c'était terrible. Hein. C'était la méta bot plus cigarette. C'est vrai que le bot plus cigarette, si t'as repéré le russe. C'était très très bon. Ouais, là, c'était difficile de faire beaucoup mieux. Hein. Mais donc, du coup, il y a assez peu là. Il y a assez peu dans ce coin de la Russie. Après Kazan, il n'y a pas. Je sais pas, check les plaques de voiture. Si, mais. La cueillette de champignons qui met bien. Ou la chasse. Putain, ok, d'accord. Ok. Si c'est très vert en cyrillique, c'est tout à fait. Si c'est très vert et en cyrillique, c'est tout à fait à l'est. C'est tout à l'est. Hein? Genre là-bas? Toute la... Oh, ça c'est embrouillé. Hein. Bon, c'est embrouillé, après ça va. On fait quand même une belle perf. Allez, let's go. Oui, du chemin de terre. Voilà, là c'est parfait. Là. Incroyable ça, c'est quoi? C'est un château d'eau 2.0? De comprendre. C'est pour chauffer l'eau? Non, c'est. J'avoue, je sais pas. Alors, bon, là, on va se concentrer sur chaque panneau, hein, sur chaque personne qu'on va voir. Ok, il y a de la poule ici. Il n'y a pas un truc qui pourrait nous aider? Non? C'est pas des bonnes. Ah oui, là, c'est... il fait plaisir ce point. Afrique, mais... peut-être... Non, pas Afrique. Hein. Putain, mais on est encore en... Non, non, c'est Amérique du Sud. On est tout le temps en Amérique du Sud, bordel. Comment tu veux que je vois ce que c'est, là? Amérique du Sud, assez pauvre. C'est peut-être un drapeau, ça. C'est technique, hein. De grands champs, il n'y a pas de bar, donc c'est pas République Dominicaine. C'est comme t'as qu'une ou deux maisons par-ci, par-là, t'as zéro panneau, zéro... En 2 minutes 30, t'as pas envie de t'attarder pour cliquer sur un panneau, donc c'est tout l'enfer du bordel. Ah, t'as juste les gens, quoi. T'as juste les gens. Ah, il y avait peut-être un... Movie Star, bah, c'est l'opérateur, quoi, mais bon. Ah, ils sont en Espagne, Amérique du Sud, un Movie Star, je savais pas. Ah, c'est chaud, hein. Là, honnêtement... Là, j'avoue que on va la jouer strat pour éloigner le moins possible. Je vais mettre Colombie ici. Je sais pas si c'est vraiment Colombie, ça. Ah non. Ah si, c'est Colombie, mais de l'autre côté. Oh ouais, c'est chaud. Oh, Cartagena. Cartagena. C'est horrible quand il n'y a rien comme ça. Ouais, c'est technique. Hein. J'ai foutu ça vraiment dans la forêt, mais... Banane Colombie, ouais ouais, j'étais dedans, après faut aller à l'opposé du sens de la voiture car elle va des grandes routes vers les petites. Le boucher, il est là. Ouais, j'avoue là, en 1000 bornes, hein, putain c'est grand. Hein. C'est grand, c'est grand. Terrible d'ailleurs ce qui se passe en ce moment en Colombie. Je suis très peu, hein, très très peu informé, mais j'ai vu très rapidement. 42 morts en 13 jours de manifestations violemment réprimées. La répression des manifestants a déjà fait une quarantaine de morts. 42 personnes ont perdu la vie lors des manifestations contre le gouvernement colombien qui dure depuis la fin du mois d'avril. Les autorités assurent que les abus policiers ont été portés devant la justice, mais l'opposition reste en colère. Non, c'est... J'étais pas au courant. J'ai vu un article passer et j'ai pas eu le temps de bien le lire pour savoir exactement ce qui s'y passe en Colombie. La violence monte encore d'un cran. Sur de nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, de groupes civils armés auxquels s'étaient mêlés parfois des policiers ont tiré sur les manifestants, notamment sur la garde indigène, une organisation pacifique. Un SOS, il avait interviewé. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a déjà 6 blessés, il faut alerter le monde. Cali.
À Cali, épicentre des manifestations qui secouent la Colombie depuis le 28 avril. Le pire se présentait depuis quelques jours. Les manifestants, des journalistes, des voisins avaient alerté sur la présence de voitures, le plus souvent des 4x4 de luxe aux vitres teintées, faisant de drôles de rondes, généralement la nuit tombée. Le président Ivan Duque a demandé aux Amérindiens de retourner dans leurs réserves, de débloquer les routes afin d'éviter les confrontations inutiles. Le gouvernement a aussi annoncé qu'il fermait les frontières du département. Ah ouais, non, c'est... Une loi fiscale a voulu passer, il y a eu manifestation et la loi a été retravaillée. Ok. Non, mais du coup, bah, enfin, je vous invite à plus vous renseigner dessus, mais ouais, j'ai vu, ouais, c'est vrai, en ce moment, dans le monde, c'est... Ouh. On a beaucoup de chance de quand même d'être né dans un pays où on n'est pas en guerre. Hein. Ça, c'est clair que de temps en temps, faut se le rappeler et s'en rendre compte, quoi. Parce que... En ce moment, la Palestine, la Colombie, etc., c'est terriblus. Bon, du coup, les amis, on continue. Wow. Oh, c'est archi beau, ça. C'est magnifique, attends, excuse-moi, mais... Où est-ce qu'on est, là? C'est trop beau. Il y avait un panneau, là? Mais attends... Ah non, ok, d'accord, ouais, c'est ça. Mais non, c'est juste les deux panneaux de signalisation. Putain, mais on est où, là? Il y a des palmiers, il y a des montagnes. Maguez, LZ. LZ, c'est pas genre l'Europe, et du coup, on est... Enfin... LZ, qu'est-ce qui peut s'appeler LZ? Parce que LZ, ça va être une ambiance un peu espagnole, mais après, je sais pas s'ils font ça dans d'autres pays aussi, de mettre la ville Maguez, Mirador del Rio. Tu vois, Casa, Museo, Aria, et LZ, du coup, ça serait la grande ville à côté, genre? Arrecife. Arrecife, c'est du LZ. Il y a quoi en LZ? Arrecife, putain, ça me dit rien. LZ. Je sais pas, mais c'est beau en tout cas. Attends. Ah, vas-y, ça rend fou, ça. Ça rend fou, ça. Quand les panneaux, ils disparaissent comme ça. Arrieta. Ah, vas-y, les panneaux, ils disparaissent, frère. Ça rend malade. Oh, ça m'étonnerait que ça soit... Mais c'est pas Mirador del Rio. Pas genre Tenerife, une connerie comme ça. C'est TF. Gran Canaria. GC. LZ. Arrecife. Putain, on est bon! Ok, grande rune. Ça doit aller d'est en... Grand rond-point, mais je dois être plus au milieu de rien, là. Non, il y a la mer derrière moi. Il y a la mer à l'est. La mer est à l'est, donc je suis là. Et ça, c'est le rond-point. Je suis pas du tout là. Je suis pas du tout là, mais bon. Je sais pas, peut-être là. Arrieta de l'autre côté. Cheap. Oh, c'est pas loin. La réflexion est bonne. Oh, la réflexion est bonne. La finition l'est un peu moins, mais Godu y est en ce moment aux Canaries. Bah ouais, parce que les Canaries, du coup, en fait, c'est pour ça que ça monte beaucoup. Et du coup, c'est là où ils vont faire leur vélo, parce qu'en fait, ça fait que monter, quoi. Ton point te donnait précisément le croisement des routes. Ouais, mais du coup, je suis revenu, en fait. Et une fois que t'es revenu, c'est la merde, parce que t'es en mode, alors, où est-ce que je suis? Ah, mais le rond-point, c'était celui-là, non? Ça devait être celui-là, je pense. Parce que là, on était dans la montagne. Ah non, ou peut-être que j'allais au rond-point... Ouais. Ah non, c'était celui-là, le rond-point. C'était celui-là. Il fait pas le Giro. Non, non, ils font pas... Je crois que même FDJ fait pas le Giro. On vient encore, là, hein, orientation de la route. Ouais, après là, c'est clean, quoi. Quand même, j'avoue que 9 points du top. Thomas Zino, merci pour le resub. Camille, j'ai loupé plein de subs, pardon. Désolé, je suis à fond dans mon truc, là. Camille Otaquin, merci pour le Prime. Luis Lopez, le Prime aussi. Et c'est 20-25 degrés toute l'année. C'est pas mal comme condition d'entraînement en saison. Ouais, tu m'étonnes. Yaking, 6 mois. Wissix, 24 mois. 2 mois pour Wilfried. Keita, 3 mois. Ganex, 18 mois. 4 mois pour Strom. Zerio avec 3 mois. Et Thomas, à l'instant, qui vient de resub. Merci beaucoup. C'est quand insurmontable? C'est juste après, les potes. Je suis chaud de... On finit juste cette run. Et ensuite, je vous présente le jeu auquel on va jouer, qui me donne beaucoup envie. Alors. Mazo Cruz, Kandarav.
C'est énorme. Putain, c'est où c'est en... Kandarav, Moquegua. C'est énorme. Cache pas que c'est un plaisir. C'est quoi, c'est l'Argentine? Oh, j'ai vu Mendoza, je me suis dit, et pourquoi pas? Je perds du temps. Je sais pas, tu sais, quand t'as une impression, après t'as envie que ça aille au bout, alors que... Ça peut pas être un délire un peu Argentine, ça? Tu vois, un peu sec, un peu désertique. Étendu à perte... Putain, c'est, encore une fois, c'est beau. Tu vois, on parlait du permis tout à l'heure. Oui, dis-moi, toi. Toi, tu vas me parler, toi. Moreno. Ah oui, d'accord, là, on a plus rien à foutre, quoi. C'est-à-dire que... Allez, frère. Ah, c'est le moment d'avoir une petite info, là. T'as rien, mec, t'as rien. C'est nul comme bus, ça. C'est un bus nul. Cusco? Puno? Cusco? Y'a Cusco? C'est où Cusco? Mais Cusco, ça n'a aucun rapport, putain, je suis trop con, quoi. Je pense qu'il y a le commandant Cusco, mais. Attends. Cusco, non mais Cusco, Cusco, le truc, c'est Pérou, ça! Cusco, y'a. Cusco! Cusco! Bien sûr, je vous parle de Cusco, moi! Quand même! Puno, Puno, c'est où Puno? Puno, Puno, mais Puno, on est loin, hein, 695 bornes! Puno, Puno, quand même, hein! Et je vais où, là? Je vais à l'est? Potosi? Non, c'est pas... Je vais à l'est. Je vais à l'est, là. On s'en fout, ça va pas nous aider, ça. Cusco, je suis à 600 bornes de Cusco. Putain, je suis au Chili? Je suis au nord de Cusco? Putain, Machala, Puno, Julianca. Julianca, c'est 300 bornes, quand même. Hein. Juliaca, Juliaca, la passe. La passe, je suis un peu plus loin. Le Juliaca, Puno, Puno, 300 bornes. 300 bornes on this way. I am here. 300 bornes, je te mets un 300 bornes d'ici à ici, je te mets un 320, 40 bornes d'ici à ici. C'est 5000 points, tout pile. Oh, c'était sur la gauche, on est risqué. Mais je suis trop con, on n'est pas dans un autre pays. Il te dirait pas le truc à côté, sinon. Il te dirait pas en Bolivie. Frère, il y a 4 villes au Pérou, je te les conseille, faut pas les louper. Ah ouais, du coup... Par contre, c'est fou que... Comment ça, hein? Ça, c'est 300 bornes et ça, c'est 350? On est sûr des calculs, là? Après, c'est peut-être le Mont Cusco, quoi. Qui est ailleurs. La passe aurait été indiquée. C'est vrai, la passe aurait été indiquée. Vous avez raison. Non, vous avez raison, vous avez raison. Non, non, mais c'était bête. Bon. C'était bête parce qu'il y avait moyen d'avoir un vrai métapoteau noir et blanc. L'office du tourisme péruvien qui ralasse la Bolivie pour se mettre bien. Et donc ça, en fait, c'est ambiance un peu Cordillère des Andes, quoi. C'est où là? Ouais, c'est ça, Cordillère des Andes, c'est tout ça, on est d'accord. Hein. Cusco, c'est le départ pour le Machu Picchu. Putain. Ah ouais. L'Almano. Les routes doivent zigzaguer un peu. Il y avait du rouge et blanc sur la carte Pérou. Ok, bon, on s'en sort quand même. Hein. Heureusement qu'on a eu le drapeau, hein, parce que... Pas 300 km à vol d'oiseau, mais en voiture. Ah oui, parce que du coup, tu fais cette route-là. T'es pas genre en direct ici. Déjà ici, tu tapes... Non, c'est pas si loin, hein. On a eu Cusco. Cusco, ça me disait un truc, hein. Le capitaine a failli... Bon, c'est le dernier. C'est le dernier, on se fait une perf. On se fait une perf, je pense à l'Australie. C'est pas du tout l'Australie. Je roule à gauche. Et les panneaux jaunes... Les panneaux jaunes, moi, j'ai un petit feeling Australie à chaque fois. Ça me plaît pas mal, quand même. Et il roule à gauche, hein. On est en Australie. Bienvenue en Australie. Voilà, c'est dit. Ah, c'est le panneau jaune, pour moi, c'est Australie, maintenant. On arrête de se prendre la tête là-dessus, là. Il faut juste que je fasse un peu de chemin. Ok, tout va bien. Tout va bien se passer. Oui. Oh, Théoro. Ah non, mais c'est vert normalement. Ils font quoi les Néo-Zélandais? Comment ça se passe chez eux? Il y a des montagnes là, un peu? Il y a un peu de montagnes. Hein. Ce serait pas en Nouvelle-Zélande là? Je sais pas, ça roule à gauche en Nouvelle-Zélande?
sont pas bleus les panneaux en Australie. Ils sont verts. Il y a du range et tout, hein, pourtant. Là. Putain, Woodville. Vous dites quoi, vous, en Nouvelle-Zélande, là? Ah, vous dites ça en Nouvelle-Zélande, putain, je vous connais. Je vous connais, les Néo-Zélandais. Et vraiment, vous êtes en... Allez, dis-moi Woodville, là. Ou Napier. Bon, c'est pas grave, je cherche la 2. C'est la 2, hein. Tac, 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 c'est 1, c'est 1, ça c'est 1. Ça c'est 1, et beaucoup de 1. Peut-être un peu trop, d'ailleurs, pour ce qu'on cherche. 1... Frère, ça doit être la... Si c'est la 2, ça veut dire que ça, ça pèse quand même comme route. C'est la 2. Woodville. Woodville. Napier. Pff, moi, je me mettrais bien en pile au milieu. Là, j'arrive entre Woodville et Napier. Et je suis sur quoi? Malomo. Matamo. Matamo. Matamo, Ormondville. J'ai commencé à Ormondville. Oh putain. Si près. Je suis insane. Je suis insane. Je suis en full insane, là. Je suis en full insane sur GeoGuessr, voilà, c'est dit. Boti Geek, merci pour le Prime. Blue Motion, merci aussi pour les 7 mois. Ah ouais, en 2 minutes 30, c'est pas simple. Hein. NZ, c'est la pas mal. Donc du coup, c'est eux, c'est les petits... Eux, c'est genre ambiance Australie, mais drapeau bleu. Voilà la réalité. Oh bah bien, là. Oh, c'était bien. On a mis du temps un peu à se chauffer, mais... Ça faisait tout de suite Maori, le nom de ville. Oh ouais, putain, j'avoue, je me suis pas trop dit ça, moi. Ambiance Hobbit. C'est vrai qu'il y avait une petite ambiance... Ah bah on avait vu ça aussi. Dan Virke, là. Non bah bien ça, on fait combien de points? 20 500. On a régu 20 500. L'ambiance Seigneur des Anneaux. Les moutons, ouais. Non non, ambiance... ambiance bien bien bien. NZ plus montagneux aussi, ouais. Mais après je connais pas assez, tu vois, donc... Donc honnêtement... Non, ça a fait plaisir, là. Cette petite session, là. Honnêtement, je me suis bien régalé.